Salut les petits amis, salut, salut, du 21e siècle. Écoutez la saga d'un enfant de la manette, fan de Star et de War, de jeux et de cinéma, de comics, de Pixar et de pots de Nutella. C'est un geek, c'est un rock, c'est une péninsule. Collectionneur d'Ewok, remonteur de pendule, on l'appelle Monsieur Huss, l'intrépide au grand cœur. Mais son vrai nom c'est Marc, le poulet du gamer. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre deux barbitas. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie. Level 1, souviens-toi, c'était bien, c'était lui, le pionnier des programmes pour players affranchis. Mais non, mais ça marche. Qui réinventait Doom au fond d'un corridor. Oh, mais non, mais là, j'ai pas mort. Avec une tête de clown et les moyens du bord. Surtout, de ta vieille Super NES au dernier Mario Kart. Il a fait tous les tests, essuyé tous les plâtres, il a tout chroniqué. C'est des records, et après tant d'années, on en demande encore. Avec Marcus, Marcus, the first and last of us, lui dont le buzz éclaire tous les zinzins du software. Marcus, Marcus, the first and last of us, notre ami pour la vie, comme dans Toy Story. L'Atari et on danse la Chewbacca entre deux parts de pizza. Yeah. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie et le mien aussi. Marcus, Marcus, the first and last of us, 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 Marcus, Marcus. Ah bon, c'est fini. Salut les petits amis, bienvenue à bord, content de vous retrouver. Oh, tout a l'air de marcher, c'est bon quand tout marche du premier coup, et que j'ai même pensé à brancher le micro, et que ça n'a pas bugué, que j'ai pas eu dû relancer trois fois, que le jeu a l'air de fonctionner, que tout va bien, c'est trop bien. Ah, que j'entends ce cri de Willem, ça veut dire que quelqu'un s'est abonné en prime, et je le remercie, j'arrive pas à Siki, Embrun, merci, c'est gentil, c'est cool, ben voilà. Mais tout fonctionne, c'est incroyable, c'est incroyable. Bienvenue les amis, bienvenue Alex Kawai, bienvenue Kiba, bienvenue quasiment pas doué, prêt pour ta crise cardiaque. Oui, ce soir ça va être encore du Resident Evil. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont sortis qui étaient vraiment bien, et puis j'avais envie de continuer, a priori vous aussi. Donc je m'étais dit, ah merci, merci pour l'abonnement. C'est Socar, merci Socar. Qui redouble, c'est même plus à ce niveau-là. Donc oui, je me suis dit, on va continuer, ça va être sympathique. On va flipper, on est, je pense, deux ans de sub pour Jem la Saturne, qui n'est donc pas rancunier. Merci, c'est adorable. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je ne suis pas rancunier, je me suis fait un peu tuer dans Resident Evil la dernière fois, mais j'avais envie de replonger, j'avais bien kiffé, et vous aussi. Et je vois que des petits nouveaux sont là, Earl Mucci, salut. Salut les petits nouveaux. Ouais, ça sub de partout, merci. Ah bah non, c'est Jem le Saturne, j'ai l'alerte un peu plus tard. Je n'ai pas tout compris sur les alertes, mais voilà. Et Alex Kawai aussi, merci Alex, c'est super gentil. J'ai les alertes avec un petit temps de retard, on dirait. Salut Wall740, c'est cool que tous les petits nouveaux qui sont là ce soir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou comme Wall740, parce que c'est le moment où je vais pouvoir voir vos pseudos. Et comme vous le savez, ou peut-être pas,
Ici, on récompense les pseudos rigolos. Donc, merci Yukina... Yukanamida TV, comment ça s'écrit ? Yukinamida TV, merci beaucoup, c'est gentil de me suivre. Mad Max, oh, merci Mad Max, on a plein de nouveaux, c'est cool. Le monde entier est un Marcus. Ah, j'aime bien ce pseudo, tiens, on va le nominer. Oh là là, on dirait ma femme, elle n'arrive jamais à finir une phrase quand elle part dans 1000 idées à chaque fois. Et j'ai dit, mais finis ta phrase, les gens n'ont pas compris là où tu voulais en venir. J'ai dit, mais si, ils ont compris. Elle va toujours beaucoup trop vite pour tout le monde. Elle est trop hyperactive, je ne sais pas. Mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Donc j'essaie de ne pas faire comme elle et de me concentrer étape par étape. Mais comme vous n'arrêtez pas de vous abonner, de suivre et de faire des petits coucous, je suis un petit peu débordé. Donc j'étais en train d'expliquer aux petits nouveaux qui arrivent qu'on récompense les meilleurs pseudos et les meilleures vannes ici. Et donc on en profite attendez, ah oui, alors si Timerson me parle en même temps, ça va devenir compliqué. Les alertes n'ont pas de retard, il y en a beaucoup, donc ça s'enchaîne. Ah, c'est pour ça. Merci Naga People de nous rejoindre, c'est cool. Ok, ah oui, j'ai l'explication en direct. J'en profite pour remercier l'ami Timerson, parce que c'est grâce à lui si tout ça fonctionne aussi bien. Il est vraiment venu mettre les mains dans le cambouis à la maison pour qu'on puisse vraiment streamer en toute tranquillité. Et ça fonctionne. Donc merci encore mon Timerson. Merci aussi à mon dindin qui est là pour veiller sur nous ce soir, comme toujours. Et le Vlacero aussi qui veille sur nous maintenant. Monté en grade, on l'a donné tous les pouvoirs, super pouvoirs d'un administrateur, c'est cool. Donc voilà, je suis bien entouré, comme d'habitude, pour veiller sur vous ce soir, et pour passer une bonne soirée tous ensemble, ce qui est en général le cas, hein. Franchement, on n'a pas beaucoup... C'est rare qu'on dégage des gens, en fait. Vous êtes tous assez cool. Alors, Jean, merci, c'est très gentil. C'est très gentil. Donc, content de vous retrouver, comme d'habitude, c'est vraiment un plaisir, puis surtout, ce Resident Evil, vraiment, je kiffe. Donc je suis content. Ah, mais ça n'arrête pas de semer. Merci, mon Mixelda. Mixelda qui avait fait un superbe montage que je vous invite à voir sur ma chaîne YouTube sur Resident Evil Village en VR, que j'avais fait en VR. Il a fait un best-of de 5 minutes avec vraiment les meilleurs moments. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur ma chaîne YouTube qui est bien alimentée grâce à un autre super-héros encore, l'ami Snakehead qui lui met en ligne toutes mes pitreries. Évidemment, celles que je fais sur Twitch, mais aussi les petits trésors qu'on a sortis de nos archives et de notre coffre-fort de No Life, les chez Marcus de No Life, sont disponibles aussi sur ma chaîne YouTube. Et il va même jusqu'à mettre des liens vers les vidéos de Level 1 qui sont diffusées par Game One. Et en ce moment, en plus, ils diffusent eux aussi des archives qui datent d'il y a 20 ans. Donc voilà, si vous allez sur ma chaîne YouTube, ces vidéos de Game One ne m'appartiennent pas, donc contrairement à celles de No Life. Donc je ne peux pas les mettre moi-même. En revanche, on met un lien pour que vous ayez accès un maximum de choses, voilà, de choses légales, je précise, parce que je sais qu'il y a des level 1 qui sont mis en ligne par d'autres gens qui n'ont pas vraiment les droits. Je dis rien, parce que je les aime bien, mais voilà. Mais en tout cas, là, du coup, c'est de bonne qualité. Tout ce que nous, on met en ligne, c'est vraiment la qualité maximale pour que vous ayez des belles vidéos. Oh, mon Jean-Pat, merci, mon ami, c'est gentil. Jean-Pat qui est comme ma femme, qui n'arrive jamais à finir une phrase. Il part sur une idée, puis il part sur une autre, puis il fait une vanne au milieu, puis il repart sur une troisième idée, il revient à la première, et faut le suivre. Mais je suis habitué depuis le temps qu'on se connaît. Il y a des gens comme ça. Mais souvent, c'est pour ça qu'on les aime aussi. Et que ça fuse sans arrêt de tous les côtés. Donc c'est cool. Fatigant, mais c'est cool. Salut 3615 PBS. PBS, c'est quoi? C'est un groupe de K-pop? Je vais nominer ton pseudo dans le doute, rien que pour le 3615 qui me rappelle des bons souvenirs. Ah oui, on me parle de Retro Game One. Ah, rien à foutre qui a gagné le meilleur pseudo il y a 2 semaines, je crois. Donc vraiment, vous voyez, il y a du niveau. Si votre pseudo n'est pas du niveau de rien à foutre, c'est difficile de comment Et en plus, rien à foutre offre des subs à Magic Monkey. Ah non, mais incroyable, rien à foutre. Parfait. T'as bien reçu le colis. Je crois qu'on a mis du temps à avoir ton adresse et du coup on a mis du temps à envoyer le truc. Voilà. Et là je viens d'envoyer un colis en Suisse. Je ne sais plus si c'était pour la meilleure vanne ou le meilleur pseudo. Je m'étais un peu mélangé les pinceaux. Mais je crois que c'est... Il s'appelle Fred, Freddy. Ah je sais plus. Bon il se reconnaîtra. En tout cas c'est un petit ami suisse qui a gagné la semaine dernière. Soit la meilleure vanne, soit le meilleur pseudo. Je ne me souviens pas. Je m'étais mélangé les pinceaux dans les cadeaux. Les cadeaux, justement. On en parle. Une bonne vanne pour ce soir, vous allez voir. J'essaie toujours de faire en sorte que les cadeaux soient un peu raccord avec le jeu du soir. J'y arrive quasiment jamais, mais bon voilà.
Donc, ce soir, comme d'habitude, le meilleur pseudo remportera le porte-clés Game One, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, en semelle de tongs. C'est vrai que c'est la même texture que des tongs, un petit peu. Des tongs à deux balles, mais voilà. Mais c'est collector, ça date de 98. C'est les tout premiers goodies qu'on a eu de Game One, donc ils sont collector. Mais comme j'en ai une boîte entière pleine, je vous les offre chaque jeudi soir. Le petit porte-clés, bien sûr. Merci pour le sub qui c'était Gaudi. Donc le petit porte-clés avec le gobelet Game One, genre Game Boy quoi, un peu classe. Voilà, Team Game One, le truc super. Et les zombies que vous voyez dessus, voilà, c'est des petits zombies méga blocs de Call of Duty en fait, du mode zombie de Call of Duty. Et voilà, c'est ça que je vous offre pour la meilleure vanne ce soir. C'est assez collector aussi, ça date un peu et du coup ça commence à être vraiment collector. J'ai pas mis avec, mais il y a des petits blocs en fait, un peu comme des Lego. Un petit décor et un pneu, il y en a un poteau télégraphique, etc. Donc voilà, ça ce sera pour la meilleure vanne ce soir et le gobelet et le petit porte-clés pour le meilleur pseudo. Et on va compter le nombre de morts ce soir. Donc on va faire un pari. On va faire des paris. Donc comment ça se passe? Vous allez faire un petit pronostic. Combien de fois vais-je mourir ce soir dans Resident Evil? Je crois que la semaine dernière, c'était 8 ou 9. Je me souviens plus trop. Vous avez mes archivistes qui vont me charger de me dire ça. Mais je crois que je suis mort un peu trop de fois pour Martyrat Miss McFly. Attends, Martyrat Miss ou McFly? Va voir la vanne. 13 morts. Ah ouais, 6 fois, je suis mort 6 fois. 15, plus de 10. Bon, voilà. Donc bref, vous allez pouvoir voter. Vous allez pouvoir me le mettre là, juste comme ça, pour que je vois ce que vous... pronostiquer. Mais si vous voulez que votre vote soit pris en compte, il faut envoyer ça en message privé, voilà, à l'ami New Dindin, voilà, ça s'affiche sur votre petit écran dans le chat. Vous envoyez un message privé à New Dindin, juste le chiffre du nombre de morts, ça suffira. Et voilà, et à la fin de la soirée, on verra qui était le plus près, et eux recevront un très beau cadeau, complètement raccord avec Resident Evil, puisque c'est un nanoblox du chien de Resident Evil. Elle est pas mal, non? Les chiens dans Resident Evil, ça fait toujours peur. Bon, idée fixe fait pas trop peur, mais voilà. Vous pouvez être deux à trouver le bon nombre de morts, parce que j'en ai deux. Et puis, toujours dans Resident Evil, le nanobloc de la créature du lac de Resident Evil. C'est pareil, là aussi j'en ai deux. Vous pouvez être quatre en tout à gagner truc. Bon, évidemment, tout ça n'a rien à voir avec Resident Evil, mais ça me faisait marrer de vous les offrir ce soir. Voilà, oui, il faut des bons yeux pour monter tout ça, c'est pas évident, c'est vrai, et pas des gros doigts, voilà. Mais j'y arrive, j'en ai déjà monté, c'est assez rigolo, c'est des nanoblocks, je sais pas si vous connaissez, mais c'est comme des Lego, mais en plus petit, ça se monte vraiment, aux limites, une pince à épiler. Mais ça fait des trucs très simples, dont idée fixe, voilà, pour le jeter à travers une fenêtre. Comme dans Resident Evil, ça risque d'être assez sympa. Et la prochaine fois, un pins parlant de Marcus, ça paraît une bonne idée. Oh là là, 4 ans de sub pour Lion McGregor. Merci mon ami, c'est gentil. Non mais, vous êtes tellement fidèles, c'est vrai, ça fait très longtemps qu'on se connaît pour la plupart, déjà, de Game One et tout ça, mais depuis que je stream, vraiment, je vois tous les jeudis soirs, j'ai vraiment ma petite troupe et tout, et c'est un plaisir de se retrouver, quoi, vraiment, j'y pensais cet après-midi. En fait, je me dis, je vais retrouver mes petits amis. Et vraiment, c'est cette sensation. C'est comme si, je pense, du coup, ça vous fait pareil si vous faites une petite session de World of Warcraft, vous faites un raid avec votre équipe. Et voilà, ben, j'ai l'impression, moi, faire un petit raid tous les jeudis soirs avec des amis. Je retrouve un peu les mêmes. Je sais déjà à l'avance qu'il y aura. On va déjà venir les vannes. Alors, je vous dis tout de suite, je pense qu'on a épuisé toutes les vannes sur Ashley. Donc là, ce soir... va leur se renouveler, mais je vous fais confiance, je sais qu'il y aura du nouveau, donc c'est cool. Après, même si du réchauffé, c'est possible, si vous avez fait des vannes la semaine dernière et que je les ai pas vues et pas nominées, n'hésitez pas à les remettre, hein, on vous en voudrait pas. Super cheesecake, quel joli pseudo, bienvenue chez nous. Jade Lebert, ça fait longtemps, mais oui, ça fait très très longtemps. Je vais aller à Gamer Assembly à Poitiers, samedi, si jamais vous êtes du côté de Poitiers samedi, n'hésitez pas à passer me voir. On se taquinera un peu sur Soul Calibur, je ferai des photos, des dédicaces, ça va être cool. Et donc Gamer Assembly, ils ont annoncé que je venais. Ah, Marcus sera avec nous, on est très contents et tout, ça me fait très plaisir. Et puis il y a une petite nanette derrière qui est twitcheuse, je pense,
qui est streameuse et qui met « C'est qui ?» Et je regarde son profil, je pense qu'elle a 20 ans, quoi. Et je lui réponds, je dis « Bah, cherche pas, t'étais pas né, en fait. » Ça me fait rire de me dire, j'ai commencé à faire ce métier et à streamer. Et il y a des gens qui étaient clairement pas nés à l'époque. Hein. Ça fait 35 ans que je fais ce métier, dont 25 ans à Game One. 25 ans que je fais du stream, en fait, bien avant Twitch et tout le reste. Et voilà, donc il y a des gens qui déboulent aujourd'hui qui ont 20 ans, forcément ils me connaissent pas, c'est normal, et je leur en veux pas du tout, je comprends tout à fait. Du coup, ça m'a fait marrer de lui répondre ça. Je dis, non, mais en fait, t'étais pas né, quoi. C'est du délire, c'est du délire. Et voilà, j'étais pas, je sais pas qui était pas né, j'ai pas eu le temps de voir. Merci Jennifer l'obèse. Oh, c'est quoi ce pseudo? C'est très bien. Bon, bah Jennifer l'obèse, merci pour le sub, et c'est pas pour ça, mais tu es nominé pour. Après Rihanna Foutre, on a Jennifer l'obèse maintenant. C'est génial ce pseudo. Évidemment nominé pour le meilleur pseudo, mon dindin, Jennifer l'obèse. On est obligé, hein, vraiment. C'est trop bien. David Saint-Marseille était là, toi. Voilà. Écoute, ouais, j'ai commencé ma carrière en 89. Ouais, putain. Ouais, j'ai commencé ma carrière en 89. Et à Game One, je crois, en 98 ou un truc comme ça. Et c'est deux points à avoir. Même Michel Drucker était bébé, oui, c'est ça. Je vois qu'il y a plein de petits nouveaux, ça fait vraiment plaisir. Peut-être vous êtes des gars du raid de la semaine dernière du joueur du grenier qui m'a fait le plaisir et l'honneur de m'envoyer ses petits amis à lui. Et c'était cool. Ah, la rondage peureuse est née en 98. Qu'est-ce que c'est que ce pseudo, la rondage peureuse? C'est bien aussi. On va nominer la rondage peureuse pour comment? Pour le meilleur pseudo, bien sûr. Et je me demande, qu'est-ce que c'est qu'une rondache? Je vais googler ça tout de suite. Tu vas nous expliquer peut-être en même temps. Attendez, rondache. Est-ce que c'est un terme... pas du Nord ou... Rondache. C'est gendarmerie? Nom féminin. Grand bouclier circulaire utilisé par les fantassins. Rondage deux en un, dit El Floris. C'est un bouclier, dit Thierry. Oui, oui, bah oui, évidemment, il fait des figurines, donc il sait ce que c'est qu'une rondage. Mais la rondage peureuse, c'est marrant comme. Bah allez, bah donc nominé, hein, de toute façon. Même si on comprend pas tout. 96, t'as connu les débuts de Game One, Zenkai. C'est fou. Ah non, mais c'est fou. C'est Ashley qui les corrompt. On parle bien de Pierre Bachelet. Bah voilà, nouvelle vanne. C'était une vanne, j'ai pas vu, pardon, j'ai pas regardé le nom, la vanne sur Bachelet. On avait déjà une vanne sur Pierre Bachelet, mais pas avec les corons. C'est hashtag les corons. Frère, remontez, mon petit Vlacero, mon petit dindin, si vous pouvez remonter dans le stream, on va nominer cette personne. J'ai aperçu le pseudo, mais j'ai pas eu le temps de le voir. Salut Tino Cartoon TV, je viens à la convention dimanche, le 16, et j'aurai une surprise pour toi. Excellent. Et oui, parce qu'après, alors cette semaine, c'est Gamer Assembly samedi. Et le week-end d'après, je suis avec mes amis du Namco Show en Normandie, ça va être cool aussi. C'est des petits... Enfin, alors, Gamer Assembly, c'est quand même assez grand, mais Namco Show, c'est une petite convention, donc c'est très familial. On a vraiment le temps de se voir, de se parler et tout, donc n'hésitez pas à venir. Ça va être vraiment cool. Ashley Fraise, personne n'avait fait. Thomas Chiro, c'est bien aussi. C'est très bien aussi. Ashley DC, en c'est chouette, ouais. Oh, putain. On va nominer Fessegar pour Ashley DC, parce que je l'ai pas vu venir celle-là, tiens. La biographie avance de Manzenkai. Oh là là, mon Dieu, pas assez. Ça fait 4 ou 5 semaines, j'ai pas eu le temps de me mettre dessus, parce que voilà, j'ai plein de trucs à faire dans tous les sens. Et je m'en veux, parce que vraiment, voilà, à cause de moi, ça bloque là, et on prend du retard. Donc du coup, c'est cool. C'est DM sur Twitter ou Twitch? Oui, tu peux m'envoyer des DM partout, tu veux. Tout est ouvert. Comme j'ai pas d'emmerdeur, en fait, moi, je laisse ouvert tout. Sur Facebook, sur Twitter, sur partout. Ici, vous pouvez parler comme vous voulez. Voilà. Et j'ai vraiment... c'est rare, quoi. Ces derniers temps, j'ai quand même un, deux, trois connards, je dirais. J'ai vraiment eu des gens assez insultants, vraiment mauvais esprit. J'ai tenté un peu le dialogue au début. Et quand j'ai vraiment vu qu'il n'y avait pas moyen, c'est la première fois que je faisais ça, je crois. Je les ai bloqués, je crois que c'était sur Twitter. J'ai même oublié, car j'oublie vite en fait, mais j'ai oublié pourquoi exactement. Mais je me disais, ah non, vraiment, c'est des sales types. Ils méritent même pas qu'on s'abaisse à dialoguer avec eux. J'aime bien parler aux cons, ça les instruit, comme disait Audiard. Mais il y a une limite dans la connerie au-delà de laquelle
il n'y a même plus de dialogue possible. Là, c'était vraiment de la méchanceté gratuite et des trucs stupides. Donc, bon, voilà. J'ai fini en disant, écoute, tu ne m'intéresses pas. Je ne t'intéresse pas non plus. Donc, passe ton chemin. Va faire chier d'autres gens. Moi, je verrai plus tes merdes. Et puis, voilà. Tout le monde sera content, finalement. Mais c'est très rare. Franchement, voilà. Peut-être que ça devient dans la culture et c'est de plus en plus fréquent. Et ça ne m'était pas arrivé jusqu'à cette année, en fait, d'avoir vraiment des trous du cul, quoi. Qui... Pénible, un certain. Non, j'en passe, c'était pas lui. Mais voilà, non, franchement, j'ai pas besoin la plupart du temps. Même s'il y a des gens qui ont des remarques blessantes, ou voilà, mais souvent, c'est un peu de la. Comment ? C'est de l'ignorance et il suffit de. Il y a le gain tout petit peu avec eux, de leur mettre un peu les points sur les i et ils finissent par comprendre, quoi. Donc, vraiment, en général, moi, ça ne me dérange pas de dialoguer un peu. Si les gars sont raisonnables et qui comprennent là où ils ont merdé, pour moi. Mais voilà, après, pour eux, c'est moi qui merde, peut-être. Donc, écoute aussi ce qu'ils disent. Et parfois, ils n'ont pas tort, ça peut être compréhensible. Mais voilà, de là à s'agresser et devenir vraiment casse-couille ou pleurnicher, jouer les victimes. Ah, j'ai été kické, j'ai été banni par mes modérateurs. Des fois, il y en a qui se plaignaient de mes modérateurs qui sont des crèmes, que ce soit Dindin, Timursan, voilà, tout, c'est vraiment, ou Lacero, vraiment, pas des gens violents, croyez-moi, faut leur en faire beaucoup pour trouver banni, et voilà. Et donc, c'est arrivé à un gars il n'y a pas longtemps. Ah, quelqu'un va prendre soin de moi. Oh, bah, génial, merci, c'est gentil. Eh bah, ça va être top. Ça va être... J'ai hâte d'y être à Gamer Assembly parce que. Genius et Kayane m'en parlent depuis très très longtemps et ça a l'air très sympa et j'y étais jamais allé, donc ça s'est fait un peu au dernier moment, du coup j'ai prévenu un peu tard, mais voilà, c'était je suis très très heureux d'y aller. Je vois un truc avec la Saturne, c'est lui le connard machin, j'ai pas... quelqu'un m'a dit ça, c'est Xavier à Game One qui m'a dit qu'il y avait un mec qui avait très mal vécu que je troll la Saturne. Alors que franchement, vous le savez, maintenant, c'est... J'ai rien, en fait, cette console, mais ça me fait rire de troller, quoi. Et c'est vraiment au second degré, évidemment, que chacun a le droit d'aimer la console qu'il veut. Mais il y en a un qui l'a vraiment pire pour lui. Il paraît qu'il était hyper insultant, et ça. Du coup, je ne l'ai pas vu. Je n'ai même pas eu besoin de le bloquer, je ne l'ai pas vu. Je ne suis jamais allé au Hero Festival à Grenoble, j'aimerais bien Mad Max. Et on m'a dit aussi que c'était très bien, donc j'aimerais vraiment bien. Il y a plein de salons que j'aimerais bien faire. Il y en a un petit peu moins là, cette année, donc c'est bien, ça me fait un peu de repos. Mais quand même, ça me manque de bien vous voir en vrai, en fait. Donc là, je suis très content que ça reprenne. Samedi, ça y est. On se voit en vrai. Qui sera à Poitiers samedi, d'ailleurs ? Il y a des gens qui seront à Poitiers ? Dites-moi. C'est la Gamers Assembly, voilà. Je serai sur le stand librairie, hein, donc j'aurai mes petits intrépides et tout ça. Donc n'hésitez pas à venir pour des photos, des dédicaces. Il y aura une petite séance que photocall aussi, un moment. Et une séance sur scène où je vous affronterai à Soul Calibur. Donc n'hésitez pas. Recevoir toute la journée, dit Pro de Paillettes. Mais oui, c'est vrai, vous venez avec Kill Beef. Il m'a dit, génial. Oui, venez, vous serez toujours les bienvenus. Alors c'est un tout petit stand, hein, c'est la librairie, c'est pas comme d'habitude. J'y vais seul, hein, j'ai pas toute ma petite troupe et mes mignons. Donc c'est vraiment, j'y vais que la journée, je fais l'aller-retour, j'arrive le matin, j'arrive à 7h30 à Montparnasse. Ça va piquer un peu. Et je rentre le soir. Donc je fais vraiment l'aller-retour. Je ne peux pas installer un gros stand, mais j'ai mon ami David qui sera là avec la librairie. Donc on aura quand même des bouquins et des trucs à dédicacer si vous en voulez. Voilà. Et sinon, je serais ravi de parler avec vous. De toute façon, même si vous n'achetez rien, vous savez commencer avec moi. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai entendu un cri de Willem. C'est un nouveau problème pour Tigrael, finalement. Merci. C'est super gentil. Bon, allez, c'est pas le tour, mais on joue, les amis. Quand même, on est là, vous êtes là pour voir. Pour voir surtout Resident Evil, le remake, qui est vraiment très bien, hein, sinon j'aurais pas fait 3 épisodes dessus. Je me rends compte, ça fait 5 semaines qu'on est sur Resident Evil, qu'on a fait 2 semaines de Resident Evil Village en VR, et là on attaque la 3e semaine, Léon revient en 3e semaine, ce qui est absolument incroyable. Et tu es là pour me voir, Marty McFly, oh, bah, super. Bon bah on se voit à Poitiers, les amis. Merci Persévère pour l'abonnement aussi. Allez, alors, il est comment ce jeu? Eh ben, il est comme ça. Est-ce qu'il a bougé depuis la semaine dernière? Absolument pas. J'ai repris la sauvegarde la semaine dernière et j'ai fait continuer. Souvenez-vous, la semaine dernière, dans La Flamme,
Léon, alias Jonathan Cohen, tombait amoureux de Ashley, la fille du président, et tentait de lui sauver ses petites fesses. On ne voit plus, puisque désormais, quand elle monte à une échelle, on ne peut plus voir sa culotte. Ils ont modifié ça dans le remake, ce qui n'est pas plus mal, finalement. Même si ça fait plaisir à une génération entière d'obsédés. C'est pas plus mal. Alors, il se recoiffe, le Léon, pour partir. Eh ben, allez, on y va, Ashley. Alors, j'ai pris mon fusil à pompe, mais j'ai plus de munitions de fusil à pompe. Et je crois que j'ai pas de quoi en fabriquer. Peut-être commencer par ça, déjà. Mais dans mon souvenir, j'avais plus grand-chose. Eh non, fusil à pompe, je peux pas. Il me faut... Ah, à deux trucs près, c'est con. Oh, j'ai bien trouvé ça en route. Bon, par contre, j'ai ma petite mitraillette, j'ai mon flingue. Même un deuxième flingue. Franchement, ça devrait le faire. Et j'ai mon arbalète. Mon arbalète qui peut éventuellement contenir des carreaux explosifs. Autant dire qu'on est bien parti. Ashley semble avoir envie de faire pipi. Oui, j'ai l'impression. Elle s'est souillée. Regardez, il y a des gouttes. Vous avez vu la goutte? Vous avez vu la goutte tomber? Ah, c'est drôle. Attendez, on va vérifier. Ah, bah voilà, bah accroupis-toi pour faire pipi. Oui, tu seras mieux, t'as raison. Voilà. Je viens de voir sur Twitter en plus une vidéo d'une fille qui a une machine à sous sur un casino très élégante. Vous prenez son petit sac Louis Vuitton. Et sous son siège, il y a des gouttes qui tombent. Et je pense qu'elle fait pipi parce que genre, elle a peur de perdre. Et donc, elle se pisse dessus plutôt que se lever et d'aller aux toilettes. Voilà, comme Ashley. Bon, voilà, on a fini notre petit caca. Ah ouais, elle a fait un petit caca. Regardez, juste à côté, là. Hein ? Il y a un petit... Ça, c'est du caca, ça. C'est une belle bouse, Ashley. Bravo ! Hein ? Grosse vache ! Non, j'arrête de me moquer d'elle parce que... J'arrêtais pas de me moquer en disant « Ah, elle se prend tout le temps les pieds dans les pieds jaloux. » Puis la semaine dernière, c'est moi qui arrêtais pas de me prendre les pieds dans les pieds jaloux. Donc voilà. C'est horrible. Oui, on est d'accord, c'est horrible, hein, le coup du casino. Allez voir sur Twitter, je l'ai vu juste avant de démarrer, donc je pense que vous tomberez dessus aussi. Fais attention, merci, merci. Ashley. Un petit bisou peut-être pour m'encourager. Ah, merci Nominé pour le sub. Nominé qui a été nominé, évidemment, la semaine dernière pour le meilleur. D'ailleurs, je vais le renominer, parce que ça mérite vraiment. Et il finira par l'avoir un jour ou l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que cette grange? D'après le plan, je crois qu'il y avait écrit abattoir. Ce qui est quand même pas super encourageant. Il me semble que j'avais vu ça. Je sais plus, bon, peu importe. En tout cas, allez, allons à l'abattoir. Voilà, une petite herbe rouge. Bah, ça, c'est bien. Cool. Je sais plus comment on donne des ordres à Ashley. Et puis, comment on fait pour lui donner des ordres? J'avais réussi la dernière fois. Bon, on trouvera en cours de route, c'est pas grave. Oh, mon petit flingue. Oh, bon sang! Ah, bah, tout de suite, à tout de suite, on m'agresse. Ah oh, c'est Landru en plus. Excusez-moi de vous déranger. Il encaisse les balles comme un grand. On dirait John Wick. Je suis allé voir John Wick hier soir avec des amis, c'était top. Le mec, le nombre de balles qu'il se prend, mais c'est hallucinant. Il prend au moins 8 voitures dans la gueule. Un nombre de balles incalculable. Rien que dans la scène de l'escalade Montmartre, là, qu'on aperçoit dans la bande-annonce. Je crois qu'il bute à peu près 40 mecs. Donc vraiment. Donc je pense qu'il a le costume de John Wick là, il a son petit truc en Kevlar. Pas de spoil, dit Blacero. Non, on va pas. Allez, Ashley, cours. Ah, c'est pas bête. Oh, pas mal. Oh, mais... oh, c'est Terminator. C'est Terminator. Hey, va venir vers moi. On va jouer à ça. Oh merde. Et j'ai plus de fusil à pompe, je vais... Mais j'ai aucune chance. Mais je n'ai aucune chance. Alors allez-y, hein, pour le nombre de morts, n'hésitez pas à voter. On va clore les votes dans quelques minutes, mais... Oh la vache. Ah bah ça va bien commencer la soirée. Ça, normalement, c'était la séquence de fin de la semaine dernière, hein. T'es d'accord? C'est pas censé être une sorte de démarrage de stream, ça. Il n'y a pas d'échauffement, quoi. Ok. C'est tout de suite la boucherie, littéralement. Ah bah oui, c'est bien un abattoir. Là, je vois bien que c'est un abattoir. Alors, j'ai ramassé des trucs. Je vois qu'il y a une échelle. J'en ai même deux. Allez, on va grimper. On va d'abord faire les courses, je pense. Et on va voir si je peux me... Oh, mon salaud. Mon coquin, mon cochon.
Viens là. Ah, il y avait des trucs là. Hop. Hop. Ah, j'ai plus de place dans l'inventaire. Vaincre Mendez. Il s'appelle Mendez. Il n'y a pas un genre de tennis qui s'appelle Mendez. Est-ce que ça, ce serait pas les cartouches de fusil à pompe? Mais si. Alors voilà, je vais prendre le fusil à pompe, je vais mettre les cartouches dedans, et ça fera de la place. Ah, il y a de l'herbe verte. Ouf. Voilà. Alors Mendez. Oh la vache. J'ai plus beaucoup de vie. Ouais, ok, ça n'a pas l'air d'impressionner du tout. Donc il faut absolument... Eh bah rien du tout. Ok. Et voilà déjà une mort. Alors vous pouvez y aller hein, sur le nombre de morts pour commencer à voter. Donc je vous rappelle, pour voter pour le nombre de morts, faire votre petit pronostic, vous envoyez un message privé à New Dindin avec juste le chiffre. Le nombre de fois où vous pensez que je vais mourir. Point faible, vous pouvez déstabiliser Mendez en attaquant l'œil sur son dos. Le gars, c'est un Picasso, quoi. Ok, bah c'est, merci de me le dire. C'est cool. Alors, j'ai vraiment que dalle. M'attendez pas à ça. Donc, je vais peut-être... commencer... Voilà, j'ai mis un truc explosif sur cette petite arbalète. Fais attention. Qui serait... quand même pas mal. Oh, j'ai pas ramassé la... j'ai pas ramassé l'herbe rouge. Ok. Allez, je passe la cinématique. Ah oui, miracle, ça se discute, Mendez. Putain, Mendez, mange ça, mon garçon. Alors, j'ai pas encore... Oh, la vache. Allez, grimpe, grimpe. Alors, elle était où la petite cartouche de... Hop, hop, hop. Voilà, c'est bon. Bon, alors là, il faut que... Oh putain, j'ai pris cher. Il faut que je mange un truc. Voilà, je vais prendre ça. Ça va aller mieux. Voilà, je pense que ça... Je vais préparer cette petite potion. Va me permettre. Oh la vache, j'ai pas esquivé du tout. Voilà, tiens. Ça, c'est très bien, ça. Merde, merde, merde. Voilà. Alors, comme ça, on a un œil dans le dos. Curieux. Ah, voilà, il aime pas. Oh la vache, ah, puis je peux pas esquiver ça, son petit tourniquet de la mort là. Ouais, j'ai plus de... j'ai déjà plus de munitions de ça. Alors là, il faut que je... Ça suffit pas. Oh merde. Il faut que je mette des flèches explosives là-dessus. Oh, il est pas bien, il est pas bien. Est-ce que j'ai encore une petite herbe? Tout le pied. Ah, je peux fabriquer des munitions de fusil à pompe maintenant. Voilà. Et j'ai déjà gaspillé toutes mes flèches explosives. Ah, j'en avais pas beaucoup. Est-ce que la grenade aveuglante peut servir à quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai encore... Ah, faut que je retrouve mes marques, les amis. Ça commence vraiment très très fort. J'ai juste cette petite herbe. C'est tout ce que j'ai. Pas sympa, bah, je vais la manger quand même. Voilà. Bon bah, allez, souhaitez-moi bonne chance. Voilà, alors, j'ai de quoi armer mon fusil à pompe. Ah, pas mal. Il est là, son œil. J'ai des petites grenades aussi, tiens.
Ah, c'est pas mal ça. Ah, ça c'est bien. Mais je sens que c'est pas fini, je sais pas pourquoi. Et voilà. Oh la vache. Oh la vache, ok. Hop, il est mal. Pour toi, c'est fini, mon pote. Et alors maintenant, j'ai plus de... Oh, non, non, je vais cramer, je vais cramer. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Oh la vache. Non, j'ai plus rien là, j'ai plus rien. Oh la vache. Je suis pas équipé du tout en fait. Ah si, j'avais une mitraillette à une époque. Vite, la mitraillette. J'avais oublié que j'avais une mitraillette. Oh putain, je vais crever. Je vais crever. Mais ça... Alors désolé les amis. Vous le savez, j'adore lire le chat. J'adore dialoguer avec vous, mais là, on me laisse pas parler. On me baïonne, on me... Oh, tout crame. Ok. Mais c'est bien d'avoir la mitraillette dans ce moment-là, je trouve. Donc c'est pas mal. On en est déjà à 2 morts. Merci, club des ratés. Ah la vache, j'avais prédit qu'Harrison Ford devenait lentement Michel Galabru. Merci, merci de reconnaître le fait que je sois un visionnaire. Et franchement, j'avais vraiment raison là-dessus. Alors, lorsque Mendes est sonné, profitant pour l'attaquer avec un coup. Alors, refaisons un peu. Revoyons. J'avais ça, j'avais tout ça là, les explosifs. C'est pas mal. Et je les ai placés sur le truc, ce qui était bien. Ok, je vais peut-être grignoter l'herbe verte. Ah, j'ai oublié de prendre l'herbe rouge. Ouais, j'avais commis des erreurs quand même sur mon premier run là. Fais attention. Donc, première étape, bien prendre cette herbe rouge. Voilà. Du coup, je vais me fabriquer un petit truc, comme ça je serai prêt tout à l'heure. Je fabrique. Mais parce que tu fabriques, on dit. Je fabrique ça. Ça restaure pas sauf. Et ça augmente la jauge de vie. Ouais, mais sauf qu'il me manque un truc pour le faire. Je vais me contenter de ça. Ce qui est déjà pas mal. Et là. Voilà, je vais me préparer avec ça. Est-ce que je peux déjà attacher la mine dessus? Éloigne-toi. D'accord, je m'éloigne. Voilà, la mine est accrochée dessus. Donc là, maintenant, normalement, je peux lui faire une mine. Ok, on y retourne, les amis. Faut que je... Oh, faut que je sois concentré. Ça, je sens qu'on va passer la soirée là-dessus, en fait. Ça m'arrange pas, mais bon, c'est comme ça. Oh la vache, il est direct, hein. Il est très direct. Il est très tactile aussi, c'est un peu... Un peu frustrant. Eh ben parce que j'ai pas envie de te faire un bisou, mon grand. Allez hop. Hop, je ramasse tout ce qu'il faut ramasser. Et maintenant... C'est toi qui vas ramasser, j'espère. Voilà, ouh, dans la tête. Pas mal. Oh, bien vu, Léon, l'esquive. Hop. J'attache. Non, mais j'ai plus, en fait. J'ai qu'une seule mine. Oh, 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 je suis pas bien, là, je suis pas bien. Tout de suite, c'est le moment d'avaler ma petite potion magique d'Astérix. Voilà. Oh, il fait des acrobaties, Léon. Il fait son John Wick, en fait. Allez, si je lui sautais dessus pour l'avoir au couteau, c'est ce qu'ils avaient l'air de recommander hein, dans la notice. Je ne suis pas stupide. Oh la vache.
vache. Ah, j'en ai plus. Allez, hop, on y va avec ça. Attends, non, on esquive. C'est bizarre sa façon d'esquiver, je trouve. Tiens, il pend dans l'œil. Ah, vache. Allez, hop, je lui refais le coup de couteau. Il avait pas l'air d'aimer. Ok, c'est pas mal. On est pas mal. Mets-lui de doigt dans l'œil. Bonne idée, Yoda, mon nouvel con. Il a bien changé Kratos. C'est vrai. Oui, pourquoi seul toi rien? On se demande. Ok, alors est-ce que c'est le moment de sortir la mitraillette? C'est la question que je me pose. Je peux encore monter là. Si je vise bien parce que oh, ah. J'ai des trucs. Faut être sûr de bien viser en fait. Ok, ça c'est fini. Bon, va falloir trouver autre chose. Déjà, on va se soigner un petit peu parce que. Est-ce que c'est pas terrible ça? Hop. Est-ce que je peux fabriquer quelque chose de sympa? Ah mais oui. Non, ça je peux pas. Ça je peux pas. Alors je peux rien fabriquer en fait. Je peux en fabriquer aucun. Ah non, il me manque des trucs pour tout. Ok, alors je vais juste. Je vais fabriquer des munitions de fusil à pompe. Je pense que c'est vital. Voilà. Je vais boire ça. Ça va bien me rebooster. Et j'ai encore des munitions de mitraillette. Oh, il est là, il est là. Il est tout prêt, il est venu tout prêt. C'est peut-être une erreur, je sais pas où il est. Oh la vache. Ah non mais rigole pas. Fais attention avec ces trucs là. En fait il envoie des sortes de trucs explosifs, mais tout à l'heure je crois que je lui ai fait péter dans les mains. Où est-ce qu'il est? Vite! Saute, Léon, mec, il est con! Oh. Oh, vache! Allez, on remonte. C'est que la première partie du boss, oh merde! Je vais mourir, oui, probablement. Et plus d'une fois. Oh, oh la vache! Il m'a eu avec son cul de bière là. Oh là 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 là. Ah non, je suis pas mort. Oh mais quel con. Oh j'ai cru. Ah je me suis. Oh le boulet. Je me suis avoué vaincu tout seul. Oh c'est foutu. Hein, débranchez-moi. Écoutez, débranchez-moi. Voilà. T'as pas trouvé de. Bah oui, ah oui, un beau boulet enchaîné. Là j'avoue, c'était pas mal. Mais le début était bien. J'adorais chez Marcus en live. Ah, merci, Gré, ok. Eh ben écoute, on met les épisodes sur ma chaîne YouTube. Donc, tu vas sur YouTube, tu tapes Marcus The Boulet et tu vas vite trouver. Et il y a vraiment plein de belles choses. On en a beaucoup, beaucoup. On les met en ligne au fur et à mesure. Un épisode par semaine. Donc, n'hésite pas. Alors, y a un truc que je pige pas, c'est pourquoi ces trucs-là, ça fonctionne pas si... Les mines adhésives, là... Ah, j'en ai qu'une. Ah, c'est ça, j'en ai qu'une, là, j'en vois 5. J'ai l'impression que j'en ai 5, mais en fait, j'en ai qu'une. Bah, j'ai pas intérêt à me rater là-dessus. Ok, je peux rien faire d'autre pour le moment. On y va. On n'oublie pas la truc rouge. Je vais peut-être partir avec ça. Un bon,
C'est un bon starter, c'est un bon banger. Les Jones. Voilà, j'arme. J'arme. Voilà, là il y a une mine là-dessus. Voilà, allez, c'est reparti. Je m'étais pas trop mal débrouillé. Si vous avez des conseils d'ailleurs, ça m'intéresse. Oh la vache. Voilà. Oh là 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 là. En même temps, ça me permet de lui mettre des petits coups, mais il me bouffe quand même beaucoup de vie à chaque passage. Allez, Léon. Ah là là, ça se trouve, je vais même pas survivre au premier. Allez, je pense qu'il est temps. Oh non, non, non. Ah là, il est grand temps de prendre ma petite potion magique. J'ai pris cher, mais je pense que ça valait le coup. Voilà, on va fabriquer une autre potion magique. Ouais, c'est déjà ça. Tac. Quoi ? Voilà. Il est tombé direct ? Non, il est pas tombé du tout. Oh merde ! Oh merde, merde, merde. Et j'ai pas le temps de charger mon fusil à pompe. Ah, je pense qu'il vaut mieux l'avoir d'en haut parce que sinon je pourrais pas avoir son œil. Ah, il charge. Allez, Léon. Allez, Léon. Oh la vache. Ouais, non, rester en bas, c'est pas la bonne stratégie, clairement. Quoique. Au moins je suis déjà sur place pour la suite. Oh la vache. Ah et puis là en bas je peux pas esquiver. Je pense pas qu'on puisse esquiver. En bas, ok, j'ai plus de munitions. Oh là la vache. Oh la vache, ça va le finir. Ouais, bon, j'ai une toute petite chance, mais faut que je prenne ma petite potion tout de suite. C'est tendu les amis, c'est tendu. Ouais, il fallait que je fabrique des munitions de fusil à pompe aussi. Voilà. Ma strat sur GameCube, c'est grenade. Human Centipede, oui, c'est vrai. Rester au top en haut et la deuxième partie c'est en bas. Ok, merci les amis. Bon, bah je pense que c'est foutu. C'est foutu pour ce coup-là, mais on va le tenter quand même, hein. Allez Léon. Oh la vache. Merde, j'ai plus de... j'ai plus de munitions. Oh là 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 là, c'est rude, c'est rude. Sortir là. Ah, et vite, vite, saute. Voilà. Ok, pas mal. Et donc, tu sais, maintenant, on reste en bas, c'est ça? C'est cool. Et le problème, c'est que j'ai pas grand-chose. Les claquettes pour toi, c'est fini, mon pote. Les claquettes pour toi, c'est fini, genre, j'ai tapé de jambes. Ça, c'est de la bonne réplique. Bravo, Léon. Je vérifie que j'ai rien oublié en haut. Ah oui, j'avais oublié des trucs là. Hop là. Parce que c'était, mais j'ai oublié. Là aussi, j'avais oublié ça. Oh. Ok, on va regarder ce que je peux faire maintenant. Je peux pas fabriquer grand chose. Toi, t'as dit que tu y allais à la grenade. Je suis assez d'accord, mais il faut que j'attende qu'ils soient en bas. Elle va marcher beaucoup moins bien maintenant. Est-ce que j'ai des munitions? Non, pistolet, ça m'intéresse pas, c'est dommage. Et ça, c'est munitions de mitraillette, je crois. J'ai pas mal de munitions de mitraillette, ouais. Je pense qu'il faut que je passe à la mitraillette, là. Oh, si il m'en laisse le temps, c'est pas du tout gagné.
Oh la vache. Ah mais beaucoup trop de feu ici. Beaucoup trop de feu. Descends, descends Léon. Voilà. Oh la vache. Est-ce que j'ai encore une petite herbe sous le pied? Non. Merde. Oh je vais crever les amis. Je vais crever. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà. Tout à fait, Mad Max, tout à fait. Exactement. Ah, vous me faites rire dans les moments pénibles, je vous remercie. Je vais nominer Mad Max pour cette excellente remarque. C'était pas mauvais, c'était très bon. Bon, je vais crever. Je vais crever, mais... je vois pas comment je pourrais m'en sortir vivant, là. Ouais, ok. Peu de poubelle, dit Vlasiro. Oui, ça ressemble à Paris ce soir. Alors... Lorsque Mendez est sonné, profitant pour l'attaquer avec quelques coups de couteau bien placés. Demande-le à Ashley de se rapprocher. Non, sûrement pas. Lorsque... Ok, bah voilà, j'ai fait le tour des petits indices. Alors bon, bah ça reste quand même pas mal de préparer. Voilà, d'armer ça avec une mine. Parce que c'est un bon démarrage. Et puis la suite, on verra. Donc, on a dit, on reste en haut au début et on finira en bas. J'écoute vos poules grenades au début, tu les feras ramasser ses dents. Ok. Commencez par quand même. J'aime bien le concept du... Comment dire ? Allez, on... Hop, on reste pas là. Merde. Je crois que j'ai raté la grenade. Qu'est-ce que c'est que ce bip bip bip? Je sais pas où est la grenade. Elle s'est mise par terre. C'est des grenades antipersonnelles. Donc elle est quelque part en bas et elle attend qu'il marche dessus pour lui sauter à la gueule. C'est pas vraiment ce que j'avais prévu, mais bon. Faute de mieux, on va prendre ce qu'on a. Hein. Ok, du coup, je vais passer en mode fusil à pompe. Peut-être que je peux la tirer de l'autre côté. Je sais pas où elle est ma... Ah si, ça a pété là. J'ai entendu, ça a pété. Oh, vache. Merde, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, j'ai oublié de faire des cartouches. Alors, faut vraiment penser à tout dans ce truc. C'est terrible. Fabriquer. Cartouche de fusil à pompe. Non, j'ai pas. Ah, j'ai pas ramassé des... la poudre noire, elle est en bas. Oh c'est vraiment. Je vais prendre la. Je vais m'équiper avec la mitraillette. Voilà, c'est pas du tout la mitraillette. Oh putain, c'est vraiment une catastrophe. Ça c'était... Ouais, là la mitraillette. Voilà. Ouais, pas très efficace. Voilà, les tombes. Ah, voilà, merci. Voilà. Le mot boulet me vient aux lèvres. Oui, mais y a pas que toi, moi aussi. Moi aussi, je m'en veux, tu sais, quand je suis comme ça. Voilà, j'ai pas ramassé tout ce qu'il y avait là. Voilà. Là, on peut. Oh, là, on va pouvoir discuter. Fusil à pompe. Et munitions de fusil à pompe. Pitoyable. Mais oui, on est tellement d'accord. Je ne le nie pas, hein. Voilà. Alors, donc, j'ai dit munitions de fusil à pompe. Je peux le faire maintenant. Je peux le faire. Voilà. J'en profite pour me fabriquer un petit truc avec de l'herbe. Est-ce que... Alors, je vais faire ça. Voilà. Et je vais le manger tout de suite. Voilà. Vas-y au couteau, dit Thierry Lafraude.
Oh, c'est chaud. Allez, arrête de titiller des yeux. Oui, vous avez tir automatique pour retrouver, c'est avec la touche L3. J'attaque. Il y a une visée automatique, attends. On me dit rien. Oh merde. Oh la vache, j'ai pas le temps d'esquiver. Allez. Allez Léon, au boulot. Voilà, il a eu ses deux petits coups. Ok, on passe à la deuxième phase. Je sais pas viser. Quelle pince, Mendez. Bien joué, Redupondu. On va nommer Redupondu pour le coup de la pince. Donc, votre conseil maintenant, c'est de rester en bas, si j'ai bien compris. J'adore cette vanne. J'adore cette vanne. Ah, pourquoi tu montes alors qu'on te dit de rester en bas? Qu'il est con. Où est-ce qu'il est? Oh, j'ai pris cher, là. Oh, j'ai dégusté là. Oh la vache, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'esquiver ça. Oh purée. Est-ce que j'ai encore un petit... une petite herbe? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? C'est la grenade, mais je pense que ça sert à rien. Oh là 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 là. La pompe. Où est-ce qu'il est? Oh la vache! Ah, je suis mort là. Fais attention avec ce truc-là. Ah, j'ai esquivé pourtant. J'ai esquivé. Deuxième partie, il prend les barils rouges et tu dois tirer dessus. Ah ouais, bah alors dans la panique, je t'avoue. Il fait grave Docteur Octopus, oui c'est vrai. On en est à 5 morts hein, pour ceux qui avaient voté. Et on arrive à la 58e minute de ce stream. Au bout d'une heure, on va verrouiller les votes, au cas où. Donc vous n'aurez plus le droit de voter. À partir de là, on va garder le vote que vous avez fait et on ne pourra plus changer. Alors, je recommence. Alors, comment tirer les leçons de ce que j'ai fait? Je vais vous écouter. Je prends le temps de vous écouter 2 minutes. On verrouille dans 1 minute. Tout à fait. Dans 1 minute, on arrête les votes. Si vous votez encore pour le nombre de morts, faites votre pronostic du nombre de fois où je vais mourir ce soir. Vous envoyez ça à l'ami New Dindin en message privé. Et voilà, une fois que c'est fait, et ben, tout simplement, c'est verrouillé, c'est validé. Et il ne me restera plus qu'à me faire tuer une fois de plus. Voilà. Allez, on y va. Je récupère l'herbe ici. Voilà, herbe rouge. Ou alors j'attends. Avant de faire ma potion, j'attends de... pour faire une super potion. Attends, celle-là reste 3 fois plus de vie qu'une... augmente la jauge de vie. Ça, c'est bien, quoi. Ah, mais j'ai pas les moyens de le faire. Okay. On va déjà faire ça, ça sera pas mal. Ok, je suis prêt. Allez, on y va. Boum, on passe la cinématique. Oh la vache! Alors, j'aimerais bien tester ta méthode de la grenade, parce que je trouve que c'est une bonne idée. Oh merde, c'est un peu tôt, il est passé entre ses jambes, c'était magnifique. Je pensais que la grenade allait suffire à le mettre à genoux. Et en fait, non. Donc je vais revenir sur mon idée de ça. Oh la vache. Allez. Oh la vache. Oh. Je bouffe. Ensuite ça. Thank you.
Et là, je fais les courses en fait. Je ramasse tout ce qu'il y a à ramasser. Mais il faut pas que je reste en place. Hop, c'est une cirque de soleil. Petite herbe verte. Ah merde, merde, merde. Merde, j'ai pas... Ah oui, il faut... Je fais n'importe quoi. Oh la vache. Et j'ai le truc à ramasser en bas. Je suis trop dans la panique. Je me fais trop avoir en fait. C'est vraiment le typique, le genre de jeu où il faut absolument garder son sang-froid. Comme les Dark Souls et compagnie. Évidemment, ils font tout. On le perd, ce sang-froid, bien sûr. Ouais, plutôt ce qu'il esquivait, je vais lui en foutre un coup. Voilà, allez. Allez, allez. Alors, j'ai plus qu'une balle là-dedans, donc je vais vite fabriquer. Je pense que là, j'ai ce qu'il faut pour fabriquer des choses. Voilà, je vais taper dans l'œil tout à fait. Cette petite herbe, c'est pas terrible. Je vais attendre d'avoir mieux, peut-être. J'ai plus beaucoup de vie, mais je peux tenir encore un peu, je pense. Oh, salto arrière. Maintenant que j'ai fait le salto du soleil, ça le surprend chaque fois. Et là, normalement, je suis censé pouvoir parer ces coups, mais je pas du tout. Vite. Oh la vache, quelle pince effectivement. Allez. Oh le léon. Normalement après ça, on passe à la phase 2. Ok. Donc vous pensez qu'il faut que je reste en bas, parce que moi je trouve que j'ai du mal. En bas j'ai vraiment du mal. Allez, je vais prendre la mitraillette parce que c'est ce qui me paraît le plus approprié. J'attends qu'ils me prennent des trucs et qu'ils me tirent dessus. Oh merde, je vais pas t'en attendre non plus trop longtemps, mais là faut que je me mange mon herbe verte. J'ai plus le choix. Ah, je peux peut-être encore mélanger ça avec mon herbe verte. Non. Bon, allez, j'utilise. Ça va aller mieux tout de suite. Vas-y, prends les tétonneaux. Voilà. Merde, pourquoi j'ai... Oh, je me dis, pourquoi il tire pas? Parce que je suis en train de cramer, voilà pourquoi. Allez. Oh, putain. Il met une plombe à charger. Oh là 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 là. Oh la vache! Hé! Hey, fais attention avec ces trucs-là! Pas mal la grenade aveuglante. Ce que j'ai. Oh, j'ai mis le... Oh merde! J'ai mis la mine, je sais pas pourquoi la mine tout à coup s'est déclenchée alors que j'y croyais plus. Ouf. Attendez, pause. Ouf! J'ai vu des lives sur Resident Evil, mais là... Oui, désolé Xavier, tu tombes mal, en plus j'ai commencé par ça, donc c'était vraiment la catastrophe. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit? Munitions pour mitraillette, donc ça je suis pas mal. Munitions de fusil à pompe, j'ai plus ce qu'il faut. Je n'ai plus de grenade. Donc c'est la mitraillette, là, ma seule chance de salut. Donc voilà, là je suis équipé d'une mitraillette. Oh putain, il m'a eu direct, il m'a... Oh la vache. Les grenades à la phase 1, ouais mais j'ai qu'une grenade. Vous pouvez changer de mode de difficulté en appuyant sur... Eh mais... Ah oui. Mais je sais même plus en quelle difficulté je suis. On va refaire, et si vraiment ça galère, parce qu'on va pas passer la soirée là-dessus non plus. Si vraiment ça galère, je baisserai le niveau de difficulté, le temps de le faire. Est-ce que il y aurait moyen de faire les courses, d'acheter des grenades parce que... Bienvenue.
J'ai plein de choses intéressantes à vendre. Oui, alors des grenades, ça m'intéresserait en fait. Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. En fait, il a pas ça. Ouais, bah merci. Ah, spray premier secours par contre. Reviens ah, quand j'ai tu pas les moyens. En mesure de payer, l'ami. Ah, et un lance-roquette, si seulement j'avais eu un lance-roquette. Je peux peut-être vendre des trucs. Oh, je vends tout, moi, je me fous. Un calice, un saphir. Tout bam. Et n'importe où. Merci. Je suis dans le besoin là. Et vraiment. Voilà, donc déjà un petit spray, ça fera pas de mal. À quoi tu mieux vaut prévenir que voilà. Vends ton corps maintenant. Je vais vraiment demander mon corps à la science, c'est vrai. Pourquoi ne pas essayer une nouvelle arme étrangère? Ça pourrait te sauver la vie, tu sais. Ouais, mais il faudrait que je revende un truc que j'avais déjà. Ouais. Ok, bon bah déjà ça va aller mieux. C'est vraiment dommage qu'ils vendent pas des grenades. À quoi tu tiens le plus? À ton argent ou à la vie? Elle va pas te faire tuer, hein? Pas me faire tuer, mais je vais faire une petite sauvegarde. Voilà, parce que sinon, vends ton porte-clé en tong. Bonne idée, fais ce gars. Alors, j'ai toujours pas compris pourquoi. Quoi, quand je prépare mon arbalète avec la mine, ça a l'air de se perdre en chemin. On va voir. Je vais faire mine et grenade, comme tu me l'as conseillé. Et je reste en haut. Allez, on y retourne. On est à combien d'essais, là? Combien de décès, surtout? Allez, je passe la cinématique. Oh la vache, direct, je me fais enchaîner, quoi. Voilà, bon, je vais ramasser tout ce qui est en bas. Voilà. Ah putain, pas esquivé du tout, oui. Ok, mais je crois que j'ai eu tout ce qu'il y avait en bas. Maintenant, on va prendre tout ce qui est en haut. Oh la vache. Oh la vache! Ok. Je fabrique une petite potion. Ça. Et je vais l'utiliser tout de suite. Voilà. J'ai de quoi faire de la poudre à canon. Je vais le... tout de suite aussi. Et je vais y aller à la grenade puisque tu me l'avais recommandé. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Et j'enchaîne. Merde, ça a raté. Mais belle esquive. Je vais l'attirer vers le truc puisque le truc est juste là. Chez la mine au passage pendant son petit tourbillon là. Bon, ça fait plaisir. Allez hop, on y va. un coup en l'air, c'était un coup de semonce on va dire, il a servi à rien celui-là. Voilà, je récupère tout ce que je peux récupérer en bas. Ouais, j'ai récupéré une bonne mandale dans ma gueule. Voilà, je n'ai plus de grenades. On va y aller au fusil à pompe. Vache. Ah, il rigole pas. Allez, on y va. Normalement, je pense au deuxième passage, c'est bon. Hein. On s'entend pour le tuer, il n'y a pas le feu. J'aurais dit l'inverse, moi.
Donc vous pensez qu'il faut rester en bas. Et là, comme je vise comme un pied, je vais prendre la mitraillette pour lui renvoyer les tonneaux là. Les claquettes pour toi, c'est fini mon pote. Voilà, j'ai réussi à esquiver, c'est pas mal. Vas-y, prends un tonneau, prends un tonneau. Voilà, ça c'est bien. Allez, maintenant je vais faire de l'esquive. Ouais, j'ai pas bien esquivé le deuxième, hein, mais bon. C'était l'idée, c'était l'idée. Alors, j'ai mon spray. J'ai mon petit déo. Que j'avais pas la dernière fois. Ça valait mieux avec ce petit spray. Ok, et je continue à la mitraillette. Voilà, en tonneau. Oh la vache. Je crois qu'il a poussé dans les flammes en plus. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait? Allez, oh putain, putain, je voulais grimper mais... Ouf. Je vais peut-être prendre ça maintenant. Ouais, vaut mieux. Et j'ai encore, c'est quoi? C'est pas une petite grenade ça? Ah, pourquoi il me dit que j'ai plus de grenade alors? Me ment. Ah non, en même temps la grenade ça sert à rien, elle est pas en l'air. Oh! Je le vois pas, je vois... Oh la vache! Je vois pas où il est, quoi. Putain, j'ai plus! Ah, vas-y, reprends un tonneau, tu me feras plaisir. Oh, merde! Là, faut que je prenne des trucs. Contact, tu le tiens. Oh, salut, JustBat4. Enchanté de faire ta connaissance. C'est un moment un peu difficile pour moi, je t'avouerai, mais... Et si je lui mettais un petit coup de grenade aveuglante? Pas bête, ça. Et après, j'enchaîne à la mitraillette. C'est vraiment tout ce qui me reste, quoi. Voilà. J'en ai plus. Il recharge. Prends donc un bidon de... Vous prendrez bien un bidon d'essence. Ah non, tu vas encore me balancer ces trucs là. Prends un bidon d'essence. Fais-moi plaisir. Mec m'a aidé. Oui. Voilà. Vas-y, jette tes trucs, j'ai pas peur maintenant, j'ai compris. J'ai compris où tu voulais en venir. Je prendrai un bidon d'essence, ce serait super. Non, il prend ça, mais c'est pas grave. Ça, j'ai appris à les esquiver maintenant. Voilà. Un bidon. Merde, le voilà. Allez. What the fuck, il a dit? Il a vraiment dit what the fuck? Oh, dites-moi que ça suffira. Oh merde, non, ça suffit pas. Je suis à moitié crevé maintenant. Oh merde. Oui, je crois. Oh. Il m'a eu? C'est lui qui m'a eu, merde. Oh la vache, 7 morts. Ok, les potes sont verrouillés maintenant pour le nombre de morts, les amis. Oh putain. Bon, on va pas y passer la soirée, je vais redescendre d'un cran, parce que là, je crois que j'ai commencé à bien comprendre des trucs, mais j'ai pas envie de passer la soirée non plus, j'ai envie qu'on avance. Donc... Où est-ce que c'est? C'est pas accessibilité grand. Accessibilité au gros doigt. Est-ce que c'est quelque part ça?
Où est-ce que c'est? Non? Et au moment du continu qu'on peut changer. Ah merde! On va revenir au menu principal peut-être. je ne sais pas. Ouais, on va revenir au menu principal. De toute façon, j'ai ma sauvegarde. Ou c'est dans les options peut-être. Bah non, j'y étais. Allez, quitter. Non, parce que c'est chiant de passer la soirée. On a déjà fait ça, souvenez-vous, sur des... Sur des... Comment ça s'appelle Elden Ring. Bah, c'est une blast. Ça avait bien avancé, puis alors la fin de la soirée, ça a été l'enfer. C'est vraiment le truc impossible, quoi. Et j'ai passé la soirée entière sur un boss de fin de niveau, c'était vraiment pénible, quoi. Donc moi, ça m'amuse pas au bout d'un moment, c'est rigolo deux minutes, mais faire la même chose toute la soirée, c'est relou, quoi. Donc je préfère changer. Eh ben, c'est pas là non plus, les amis. C'est pas là non plus. Histoire principale. Continuer. C'est pas grave, on t'aime comme ça, dit Mad Max, et merci, c'est gentil. bon, mais j'ai quand même compris beaucoup de choses. Ah, on est d'accord, j'étais pas si mal que ça, je pense que je devais pas être bien loin. Donc, allez. Allez, Ashley, on y croise. Salut, Ginoop. Comment tu vas? Bah mal, tu vois, Ginoop. Je viens de me faire rétamer 8 ou 9 fois d'affilée par le même boss. Qui est vraiment pas commode. Je pensais pas que la soirée... Et ça a commencé la soirée comme ça, donc... Moi, je pensais qu'on allait se balader un peu avant que ça tourne mal, mais non. Ça tournait mal tout de suite. Au game over, change la difficulté. Oui, je pense que ça va être ça. Allez, on y retourne. On y retourne. Ah putain, je peux même pas l'esquiver au début, là. Déjà, si je me faisais pas autant massacrer dès le début... Ah putain, il veut pas esquiver, ou alors j'esquive pas dans, dans les temps. D'abord je fais les courses. Voilà, est-ce que j'ai bien tout ramassé en bas? Moi je... Ah putain, j'ai direct coupé. Alors le temps de ramasser les trucs, je ramasse moi aussi. Hein. Et ça c'est quand même chaud. Allez, hop. Ensuite je vais ramasser tout ce qu'il y a sur les bords là, hop. Voilà, on va se faire notre petite cuisine. Voilà, je vais me faire un bon petit mélange d'herbes. Genre celui-là, c'est pas mal. Voilà, du coup, ça, je vais le bouffer tout de suite. Du coup, j'ai de la place. Pour cette petite grenade. Je me la garde pour tout à l'heure quand même. Et j'avais dit que je voulais faire de la poudre aussi. Pour des munitions de fusée à pompe. Voilà. Tu es plus rapide que t'en as l'air, mon salaud. Voilà, là, il s'est pris ça dans la gueule. Non, c'est pas pris dans la gueule, elle est tombée à côté, je sais pas où en fait. On l'entend là. Voilà, là j'ai réussi à esquiver avec mon gun. Allez, on y va. Vite, vite, vite. Voilà. Elle est où ma mine antipersonnelle que je viens de gâcher bêtement? Voilà, ah tiens, j'ai pas fait ça encore. J'ai pas esquivé.
Allez, on y retourne. C'est pas mal, j'arrive de plus en plus vite à cette séquence quand même. Vous avez vu, là, ça m'a pris moins de temps que les fois d'avant. Ok. Donc maintenant, je monte. Pour toi, c'est fini, mon pote. Je monte. Oh la vache! Ah, ça pourtant, je sais les esquiver maintenant. Je prends la mitraillette parce que je vise comme un pied. Voilà, j'ai eu son premier tonneau là. Maintenant, j'attends qu'il me jette des poutres. Ah la vache! J'aurais dû attendre. Ok. Voilà, c'est bon. Ça maintenant j'esquive. Merde, ça j'aime pas quand il vient là. Oh putain, je me fais buter direct. Changer le mode de jeu, c'est là, c'est maintenant. Voulez-vous continuer en mode facile? Oui. Oh que oui. Voilà. Non, parce que sinon on va pas s'en sortir, les amis. 8 morts. Je me remettrai en mode normal après, mais là non, c'est pas possible. Alors. Ma mine. Voilà, là j'ai bonne mine, je suis prêt. Allons-y. Je pense que si vous étiez pas là, sérieusement, si vous étiez pas là, je pense que j'arriverais à me concentrer vraiment que sur ça et peut-être j'y arriverai. Ah, je pourrais pas revenir. Oh merde. Alors, allons-y. Oh là là, direct, il me chope. Des courses. Ah, en fait j'avais pas fait gaffe, mais il me facilite la truc parce qu'il a pété les caisses lui-même. J'ai pas eu besoin de les péter moi-même, je crois. Voilà. Alors on y va, on fabrique qu'est-ce que c'est, un couteau. On fabrique de la poudre. Voilà. On fabrique de l'antidote. Voilà. J'attends un peu avant de boire ça. Je pense que c'est mieux. Fabriquer des carreaux, bah, très bien, ça servira. C'est pas la bonne chose à faire, mais voilà. Ok, et on reste concentré sur tout. Donc j'ai dit j'y vais à la grenade, au fusil à pompe, tout ce que je trouve. Voilà, là j'ai pas esquivé du tout. On y va. Respire. Voilà. Je remets dans mon petit fusil à pompe. Ah oui, direct, on passe là direct. Ah oui, effectivement, ça va mieux. Ne crions pas victoire trop tôt quand même, les amis. Alors. Bien vénère, mais moi aussi. Autant de défaites. Je crois que les claquettes pour toi, c'est fini, mon pote. Voilà. Ça, maintenant, je sais esquiver. Si tu pouvais prendre un tonneau. Oui. Voilà. Vas-y, on voit la suite.
Eh. Allez, petit tonneau, ça me ferait plaisir. Tonneau explosif. Eh non, il préfère venir, il préfère venir. Et moi, ça m'arrange pas, ça. Parce que ça, j'aime pas quand il vient. Fais attention avec cette... Oh, oh, pourtant j'ai pas esquivé. Vite, faut se soigner. Faut se soigner. Et j'avais acheté un super spray. Non, je vais mettre ça d'abord. Voilà. Oh merde, j'ai pas esquivé. Oh la vache. Mitraillette. Ah non. Il vaut mieux le fusil à pompe, je pense. Allez, il est en bas. On y va. Oh vache, il lui refaut encore. Il lui refaut encore. Alors, cette fois, je n'ai plus de munitions de fusil à pompe. Mais j'en ai beaucoup de mitraillettes. Donc, je vais faire ça. Équiper de la mitraillette. C'est pas encore le moment de prendre une petite herbe. Du grand Mendes ce soir. Fusil à pompe à courte portée. Oui, bien sûr. On est d'accord. Ah, il est vénère. Alors Mendes. Moins de malin en mode facile. Ah! Eh ben, 1h30 de stream. Oh, what the fuck, pour en arriver là, pour arriver à franchir la première séquence. Oh, 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 oh. Oh la vache. Ah bah heureusement qu'Ashley. Oh. Heureusement qu'Ashley est là. Léo, sors. Tout va s'écrouler. En fait, j'aurais pensé tout seul, tu sais. Sortir de l'abattoir. Et il porte bien son nom, l'abattoir, c'est clair. Léo, vite. En cas de la braise, c'est pas fini. On va voir. Salut Dropcolon, bienvenue chez nous. Un plaisir de voir des nouveaux pseudos. Et puis là, maintenant que c'est plus calme, je peux voir vos nouveaux pseudos. Donc si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Merci. Je rappelle que chez nous, il y a des cadeaux à gagner pour le meilleur pseudo. Le porte-clés Game One. Le gobelet Game One. Et les petits zombies que vous voyez dessus, c'est pour la meilleure vanne ce soir. C'est des zombies du mode zombie de Call of. En méga bloc. Je ferai tout pour que ça n'arrive pas. Je te le promets. Ah, merci Ashley. J'ai plaisir d'avoir ton soutien, tu sais. Pour toi, je ne sais pas ce que je ferais. Ah, les amis, c'était rude. C'était rude. Mais peut-être que je peux modifier la difficulté après, quoi. Revenir au mode normal, je sais pas. Alors, où est-ce qu'on va, Ashley? Est-ce qu'on prend ce pont branlant? Non. Ça n'a pas l'air d'être une très bonne idée. On va aller par là. Viens. Voilà, viens. Compris. Ah, compris. Monsieur, il ne comprend pas le mot « viens ». Ashley. Voilà. Ah, bah on va arriver au château. Ça, c'est bien. Oh là là, j'ai gardé les bons souvenirs. Enfin, des bons souvenirs, des souvenirs cauchemardesques, mais... Des très bons souvenirs quand même. De ce château avec ses armures qui vous attendent. Je me demande qu'à vous tomber dessus. Le château de Dracula. Ah. Et voilà. Il n'y a pas de retour en arrière. Salut Kenzun Kni. Bienvenue. C'est irréversible, fallait le terminer en mode normal pour continuer. Ah merde. Et pas d'annonce au lendemain de 20h, mais on est d'accord, monsieur Napo. C'est scandaleux, je suis d'accord. Ça fait longtemps, tu sais, je crois, depuis... Depuis 2000... Oh, je vais pas dire bêtises, mais... 2008. Ouais. Merci, Brakmar le Dur. Oh, merde. On va nominer Brakmar le Dur pour son pseudo dégueulasse. D'accord, les amis? Brakmar le Dur, je pense que tu es nouveau, parce que si j'avais déjà vu ce pseudo, je m'aurais déjà marqué. Il y a un cadeau à gagner si tu es le meilleur pseudo de la soirée. Et il y a du lourd ce soir, donc
pas garanti que tu gagnes, mais en tout cas, voilà. J'ai oublié de vous préciser, tous ceux qui sont nominés pour la meilleure vanne, le meilleur pseudo, n'hésitez pas, envoyez tout de suite un message à l'ami New Dindin pour nous laisser vos coordonnées, un moyen de vous joindre, mail ou ce que vous voulez. Comme ça, si jamais vous gagnez, ça sera décidé à la fin de la soirée, on peut vous contacter. La semaine dernière, il y en a deux qui sont barrés avant la fin, on n'a pas pu leur envoyer leur cadeau. C'est des gens qui avaient voté pour le nombre de morts et on les a pas retrouvés. Du coup, voilà, là, tous ceux qui sont nominés, là, envoyez tout de suite un message à New Dindin pour qu'on ait vos coordonnées et qu'on puisse vous envoyer vos cadeaux si c'est vous qui gagnez ce soir. Et pour le nombre de morts, le bon pronostic, il gagne en nanoblox les chiens de Resident Evil. Voilà, c'est Louis. Ou la créature du lac de Resident Evil, c'est pas mal non plus. Visiter ce château. C'est une escroquerie, je sais. Mais voilà, c'est comme ça. Alors, c'est bien le moment de faire un FaceTime avec le Bellat. On peut peut-être mettre la tête du Bellat sur Ashley, tiens. Ils ont la cour intérieure du château. Voilà bas. Ciao. Ça lui va bien, Ashley. Cette petite tête. Ok, Ashley. Louis a dit que. Je sais. Ouais, Louis, je fais qu'à moitié confiance à ce gars-là. De déjà planté, après il réapparaît, puis il redisparaît. Hein? Pas fiable, moi je dis. Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans ces recoins? On entend des corbeaux. Même pas peur. Et je vois la petite loupiote de notre ami. J'ai reçu quelques nouveautés qui devraient t'intéresser. Ah bah, si j'avais eu un lance-roquette il y a 10 minutes, je t'assure que. Je l'aurais acheté. Où il est? Une fourche? Je m'en suis pris des coups de fourche hein, quand j'étais dans le village. Hein. J'ai quelque chose de nouveau pour toi là. Ah! Je veux pas savoir ce que c'est si c'est présenté comme ça. J'ai quelque chose de bien dur pour toi. Est-ce que je peux vendre des choses? J'ai plus beaucoup de thunes. Non. J'achète tout. Et n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des trucs que je peux échanger, des trucs que j'ai... Mon dos me fait souffrir. Ah. C'est le poids des années qui se fait sentir. C'est vraiment un vieux. On a tous les mêmes problèmes. Je vais réparer mon couteau parce que ça sert quand même bien. D'accord. Et c'est quoi qui est nouveau alors? Le pistolet là, il a l'air tout pourri. Ça t'en aura pour ton argent. Je te le garantis. De toute façon, j'ai pas les moyens donc. Ça va être vite vu. Pour acheter de la ferraille. À quoi tu tiens le plus? À ton argent ou à la vie? Grenade aveuglante, j'aime bien. Munition de magnum, mais j'ai pas de magnum. Donc, ça m'intéresse. Nous attendions le client idéal pour ceci. Ah, et un petit spray. Parce que tu ça m'a fait du bien tout à l'heure. Au cas où, c'est une sage décision, ça. Allez, je vais même en prendre. Allez, je t'en prends deux. Tu pour sais, me faire un prix pour. En stock étranger. Voilà, j'en prends trois. Voilà, très bien. Reviens quand tu et il manque la camionnette fricandée à ce marché. Ah, c'est vrai qu'il fait flipper. Il fait flipper. Alors, bah, j'ai toujours plus. J'ai plus de quoi fabriquer du. Je crois pas, hein. Pas de quoi me fabriquer des petites munitions comme j'aime, c'est dommage. Et ma manette commence à être un petit peu pleine en fait. Est-ce que je peux faire de la place en fabriquant quelque chose avec ça? Non, en revanche je peux l'utiliser là. Voilà, ça va me remettre un peu de peps. Ok, et le reste bon, on va y aller comme ça, on verra bien. Allez, je vais pas dire les ennuis commencent parce que je pense que on en vient. Bien fouillé parce que j'ai pas trop les moyens là de m'acheter grand chose. Ah bien des munitions, des cartouches de fusil. Ah voilà, ça y est, j'ai plus la place. Qu'est-ce que je peux fabriquer? Des carreaux d'arbalète. C'est toujours ça de prix. Ah mais j'ai pas la place de les ranger, c'est ça? Si je faisais un peu plus de rangement, peut-être que... Voilà, genre ça, je le mets là. Voilà, du coup j'ai la place pour ce carreau d'arbalète. Ah! J'arrive plus. Enfin, c'est pas...
fait pas folle de ce côté-là. Voilà. Voilà, c'est bien rangé. Voilà. Mais toujours pas de munitions. Est-ce qu'il y avait de la poudre noire dans le bazar qui me permettrait de fabriquer... Non. Quatre petits machins de poudre noire. Je pense pas que ça soit suffisant. De 12. Est-ce que je n'achèterais pas une mallette plus grande? Parce que je sens, j'aime pas voyager léger, donc je sens que je vais galérer. Est-ce que j'ai les moyens d'acheter cette mallette? Il me fait tant envie. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Combien la mallette? Extension de mallette, 20 000. Oh, je 4 000. J'ai rien à vendre. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. Munition de pistolet, je m'en fous. Non, si, je m'en fous pas du tout. Pardon. Munition de fusil. J'ai pas de fusil, je crois. Fusil à pompe. J'ai d'accord que c'est pas des munitions de fusil, voilà. Une affaire bien conclue. Donc j'ai fait une petite bêtise, mais c'est pas grave. Ah, je m'en fous, ça va faire de la place. C'est un plaisir. Voilà. Pas te faire tuer, hein. Allons-y. Ah. Bon, on a fait du beau ménage. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Regardons avec mes jumelles. Oh merde, beaucoup de gens. Il y a quelque chose qui me dit qu'ils sont pas très amicaux. Ah ben moi aussi j'en ai une arbalète. Hein, donc c'est pas grave. Même pas peur, même pas mal. Allons-y. Merci pour les nouveaux follow, merci Marina, c'est gentil. Derrière cette porte. On va y aller, on va aller voir. Pas sûr que nos hôtes déroulent le tapis rouge. Non, même à l'inverse. Eh ben c'est de mieux en mieux. Allez, courage Ashley. Le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Et parfois, quand on aperçoit une lumière au bout du tunnel, c'est un camion qui nous fonce dessus. Surtout dans Resident Evil. Ah, petite réunion là. Colis anonyme. Pas trop ce bruit. J'ai pas le choix. Non, arrête. Merci Pinball Magic et ses amis. Bienvenue. Ça m'a fait peur, ça m'a fait sursauter comme si j'avais besoin de ça dans Resident Evil. Wesh. Et ça recommence, les gens avec des têtes bizarres. Viens là, Ashley. Pas trop près. Ça marche. Voilà, viens par là. Viens. Ok. Il est où le machin? C'est un bruit de claqueur dans Last of Us. Ah, merci pour l'abonnement. J'ai pas eu le temps de voir qui... Oh, il marche au plafond. Voilà, finalement. C'est pas si dangereux. Ah oui, mais je suis en mode facile maintenant. Donc des trucs qui me prenaient genre 12 coups... ça va être plus facile maintenant. Ah, ok. Alors, il y aura peut-être moins de morts, hein, je vais vous décevoir, mais il y aura peut-être un peu moins de morts là-dedans. Quoique, c'est bien mal me connaître. Ça fait capable de mourir plus souvent dans un truc facile que dans un truc difficile. Ah, péter des vases, c'est ma spécialité. Et jouer du piano aussi, mais là, on peut pas. Pas que ça fait. J'ai perdu une heure et demie sur un boss dès le début. Maintenant, faut que ça avance. Hein. Les gens, ils sont là pour voir du spectacle. Et ben, va y en avoir, les amis, c'est promis.
C'est ce que j'aime dans les Resident Evil, j'ose pas avancer souvent. Ah, cartouche de fusée à pompe, on y vient. Voilà, ça va mieux. Sans un autre homme là. On va me garder le flingue à la main pour le moment. Attendez, un petit vase peut-être pour... Ah non, c'est un pot au lait. C'est Perrette qui l'a laissé ici. Attendant de revenir le chercher plus tard. Alors les arbalétiers, je pense qu'ils vont bien me pourrir la vie. Mais moi aussi j'ai une arbalète. Muerte. Alors toi je t'ai vu. Je voudrais que tu te crames toi-même avec ton arbalète, s'il te plaît. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Il a mis longtemps à expirer. En arrière. Voilà, reste là-bas, Ashley. Essaye de m'occuper, il y a du monde au balcon. Et je parle pas de Ashley. C'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas moi qui ai tout cassé. C'est lui avec ses catapultes. Tire sur son propre... Ah oui, on est d'accord. C'est surprenant. Pour des gens aussi arriérés, une technologie aussi avancée. Sa petite tête de monsieur propre là. Oh. Ça continue de tomber la catapulte. Là, il y a quelqu'un. Ah non, c'est juste un... Attendez pas à un accueil aussi chaleureux. La bonne blague. Ah, il avait un rubis sur lui, lui. Et un rubis sur l'ongle, littéralement. Il est où le connard à arbalète là? Tout tour, hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ashley, lâche-le. Toujours garder son sang-froid. Pas facile quand quelqu'un vous tire dessus avec une catapulte pendant ce temps-là. Connaître. Ça va? Ouais. Il y a des jours meilleurs quand même. Fermez ça. Ok. Allez. On continue. Oh. Oh. Ça va, Ashley. Merci. Allez, relève-toi. De rien. Faut s'occuper de lui là. Je sais pas comment on va faire, mais. Ok, tout va bien. Attends. Tiens. Ça marche. Oh merde. Ashley. Oh, je suis pas bien là. Foutez-moi la paix. Femme, exactement. C'est ce que je me disais depuis le début. Ashley, où es-tu? Ashley! Oh merde! Elle est morte et je n'ai pas vu où en fait. Ça compte comme une mort pour moi aussi. Hein. On est liés dans l'amour. Hein. Vous savez ce que c'est? Et Cupidon qui nous a transpercé tes petites flèches. En attendant les arbalètes, donc elle était au milieu du pont. Ah merci Katari, j'ai pas vu. Allez, j'y retourne. Ça devrait pas être si compliqué que ça. Alors à quel endroit ils vont me remettre? Au tout début, avant les catapultes. Allez, on y va. Voilà, je vais prendre un peu plus soin d'elle. Eh oui, madame. Eh oui, madame. Est-ce que là, il y a un passage? Non. J'ai une montée par là. Ok. N'attendez pas à un accueil aussi chaleureux. Hop. Allez, on est concentré.
Qu'est-ce qui se passe? Allez, restez en bas. Excusez-moi, monsieur, c'est ma femme. Si vous voulez bien la lâcher, s'il vous plaît. Et en plus, c'est la fille du président des États-Unis, donc on passe ça comme un paquet. Ça marche. Allez, suis-moi maintenant. On passe pas loin. Ça va. Merci. Hop. Non, c'est pas forcément le bon chemin par là. La porte est fermée là sur le côté, donc on va aller par là, Ashley. Bien. Ashley. Ah. Est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est? Elle est là. Et lui, il est pas fini, lui? T'es blessé? Allez, lève-toi. Oh la vache, mais où est-ce qu'il... Je vais là, mais ça se trouve, il n'y a rien à faire là. Alors, ça communique avec ici. Ça pourrait le faire. Ah, mais c'est parfait, c'est exactement. Oh, oui, très bien. Le gros canon là. Et comment l'utiliser? Comment utiliser ce truc là? Ah, voilà, parfait! Ok. Est-ce que je peux remonter à une petite échelle? Non. On va trouver, on va faire le tour. Je me doute qu'il va y avoir du monde quand même. Allez, attends-moi là. Attends-moi là. Éloigne-toi. D'accord, je m'éloigne. Voilà. Ok. On profite pour faire un peu les courses. On en cache la... Ah, mais quel est con! Mais pourquoi t'es là? Oh, oh, oh. Viens. Attends. Ah, maintenant que t'es là. Attends, je vais t'offrir un petit bijou, ma chérie. Un bracelet, voilà. Je sais que c'est pas le moment, mais voilà, je vais me mettre à genoux pour te demander en mariage. Mais ne te mets pas à genoux non plus. Mais dans tout, sur Internet, on voit ça tout le temps. Le mec se met à genoux avec une bague, mais la fille se met pas à genoux non plus. Faut habituer à se mettre à genoux, Ashley. Il faut perdre les mauvaises habitudes, Ashley. C'est pas possible. Alors, je sais pas par où passer. Pas par où passer par contre. Ah, il y avait la petite porte. Allez, lève-toi, lève-toi. J'ai reconnu, c'est la petite porte de tout à l'heure. Viens. Ouais. Ouais. Super. C'est la petite porte de tout à l'heure. Elle était ouverte que d'un côté. Ashley. Oh la vache, c'est pris un coup de catapulte dans le dos, évidemment. Tout va bien. C'est surprenant. Ouais, eh, ben, lève-toi, les enfants ont grandi. Je vais nominer Kira pour sa petite chance. Ashley, lève-toi. Ashley. Oh non, 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 quoi? Oula, on va y aller au fusil à pompe parce que là... Ils vont me l'enlever, ils vont me l'enlever, c'est con. Allez, oh, allez, oh, allez. Oh la vache. Il faut que je prenne un petit remontant, là. Et je m'occupe... Je mets du déo, Ashley, j'arrive. Allez, c'est parti. Voilà. Ah, désolé, Ashley, c'était un peu brutal, hein, mais en même temps, comme ça qu'on y arrive. Alors maintenant, tu vas rester là, en fait. Reste à distance. Voilà. Moi, je vais m'occuper du petit canon. De l'autre canon. Ashley. Merde. Voilà, voilà, voilà. Il est où? Il est où? Il est là? Encore une fois!
Oh la vache! Elles sont plusieurs en fait. Voilà, il y en a un là. Ah, j'y suis presque. C'est bon, je l'ai eu. Et l'autre, il est où? J'ai vu qu'un gars approchait en même temps. S'occuper des gars d'abord. Voilà, ça c'est fait. Je retourne à mon canon. Oh la vache! En même temps, immobiliser, c'est pas plus mal. Je préfère qu'elle soit là, qu'elle bouge plus. D'Ashley après. Ah la vache, je crois qu'il y en a un autre. Ça recharge, ça recharge. Ah c'est bon, et je crois qu'il y en avait un autre à droite. Oh non, me dites pas qu'elle est morte. Oh non 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 non. Oh non. Oh allez, un mort de plus. 10. Ah, ça fait un contron. J'espère que je repars quand même du canon. Oh non, les salauds! Oh, je me retape tout! Ah, c'est la soirée de... c'est le jour de la marmotte, je suis désolé les amis. On va revivre 20 fois les mêmes trucs. Oh, c'est con! Bon, en même temps, je sais où aller direct. Donc on va gagner du temps. Allez, allez, allez! N'attendez pas un accueil aussi chaleureux. Ah, désolé, ça fait 14 fois que je me le tape. Évidemment, cette fois, je l'ai raté. Oh, quoi, elle se fait déjà enlever? Voilà, c'est fait. Ah, moi, les gars des sectes qui enlèvent des jeunes filles, voilà ce que je leur fais. Par où elle était passée, Ashley, tu te souviens? Ah oui, on était parti. Ok, tout va bien. Ok. Voilà, je prends là. Merci, je vais arriver. Récupérer. Allez, on y va. Voilà. Allez, on descend là. On active le canon. Allez, Mitzi, restez là. On sera tranquille. Oh, on pense pas à Notre-Dame. Ok, on est pas mal, on est pas mal. Je suis en forme, elle est en forme. Mon truc est chargé. Je connais le chemin. Reste à distance. Ça marche. J'aimerais bien qu'elle reste là, en fait. Donc là, hop, la petite porte. Prends ça parce que ça fait plaisir. Prends ça aussi parce qu'il faut rien laisser perdre. On prend le bracelet. Je vais pas refaire la demande en mariage deux fois, mais madame, maintenant j'ai un bracelet. C'est ça, c'est la demande en mariage qui m'a perdu du temps tout à l'heure. Allez, on y retourne. Préparer le pistolet à pompe, le fusil à pompe. Oh merde! Merde! Oui, bah j'ai déjà dit. Je répète tout ce que je dis. Voilà. Allez, viens, Ashley. Ashley! Non, il faut vraiment que je m'occupe d'elle. Chaque fois. Tout va bien? Ouais, ça va. Oh là 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 là! Ils sont insistants, les gars. Viens,
Alors, il y en a un là. Voilà, je l'ai eu. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Merci. De rien. Oh, sympa, parce qu'au bout d'un moment, hein, quand même. Ah là 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 là. Oh, je suis pas bien là. Là, il me faut absolument un petit spray. Voilà. Encore une fois. Voilà. Allez, dernier là-bas. Plus haut. Voilà, faut que je tire avant lui. Et là encore un là. Allez, charge, charge, charge. Et là-bas aussi, il y en a. Ah, voilà. Ouf. C'est ouvert. Allez. Elle s'est fait enlever en 1-2, excellent! Je sais pas qui l'a faite, mais elle est très bien! On va nous miner! Ah! Je sais pas qui c'était pour. Elle s'est fait enlever en 1-2, parce que justement, j'y travaille sur ces moines! Oh! Oh non, 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 non! Oh, dites-moi qu'on a eu le checkpoint! Dites-moi qu'on a eu le checkpoint! Oh là 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 là! Oh! Oh là là, ce serait dommage! Non, c'est bon, c'est bon. Ça va, ils sont quand même sympas avec moi. Et allez, viens, on s'en va, Ashley. Okay. On retourne là-bas. Maintenant, la porte est ouverte. Mince. Voilà. Ça fait du bien. Ah. Ouf. On a Ashley les chevaux, exactement. On Ashley bien les chevaux, d'ailleurs. Mais il y avait plein de choses à prendre ici. Et probablement des munitions de fusil à pompe, en plus. Ou alors, faut que je fabrique tout moi-même, encore. Ah, là, j'ai peut-être de quoi faire. Voilà. Parfait. Ça va tout de suite mieux. Mais acheter dans le canon, la bouée de canon, ça reste quand même un boulet. Oh, pas mal, persévère, pas mal. Ah, c'est bizarre ces statues à l'envers. C'est curieux, c'est tout de même curieux cette façon de, regarde, de se tenir. Bon, c'est vieux. Mais... Eh ben, princesse, ça vous plaît pas comme château? Avant d'aller faire les courses, j'ai regardé un peu. Faire le tour. Péter 2-3 vases. Voilà. Et tout à l'heure, il y avait un gars qui avait un rubis. Et j'ai un bracelet. Bon, allez. On va voir le gars quand même. J'ai un œil. Quelque chose va forcément te plaire. Et ben justement, j'avais dans l'idée de m'acheter une mallette, figure-toi. Et avant ça, on va regarder dans les trésors si je ne peux pas sertir ce très beau bracelet. Non, j'avais pas chopé un rubis à un moment. 5000 pesetas. Ok, je vais lui vendre. Bienvenue. Et avec l'argent... J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Avec l'argent, je pense que je peux m'acheter... Les riches, merci. 26 000, je peux m'acheter, peut-être, avec un peu de chance, une grosse mallette. Oui. Ce que tu vois là, tes dimensions plus connaîtes. Même si du coup, je me reprends un petit spray pour la route. Voilà. Et souvent, c'est les munitions qui manquent. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Reviens quand tu veux, surtout. Alors, voyons voir ma belle mallette. Oh, mais il y a plein de place là-dedans. Savoir quoi en faire. C'est très bien. Avec moi. Allez, viens, Ashley. Okay. Ah, j'ai pas regardé le bracelet, mais s'il y avait bien un endroit pour faire une demande en mariage, c'est quand même ici. Soyez les bienvenus. Oh, ça sent les ennuis. Dans mon château, c'est un plaisir de faire enfin votre connaissance, Monsieur Kennedy.
Ok, vous êtes qui, au juste? Moi? Je vous en prie, appelez-moi Ramon. Et permettez-moi d'aller... Ramon. En anglais, en espagnol, ça marche, mais en français, c'est chaud quand même. Demoiselle, sans discuter. Maintenant. Et Dracula. Ça, ça risque. Ramon, de... c'est vraiment bon en plus en espagnol. Demoiselle, reste avec moi. Monsieur Kennedy. Monsieur Kennedy. Comme c'est... Mais mon nom, c'est sympa. Néanmoins, voyez-vous, nous avons... On VF avec moi, c'est mal synchronisé. Ah, je trouve que... Avec cette jeune fille comme je trouve, j'apprécie que ce soit en VF, en fait. Même si c'est pas, ça colle pas toujours sur les lèvres, je trouve que les voix sont très bien. Car telle est la volonté. Merci, Loulou, pour le... Sa sainteté, Lord Sadler. Alors, vous allez obéir. Au début, il m'a souhaité la bienvenue, alors, Ask. C'est Bernard Chirac. Elle s'est fait plaisir avec les pièces jaunes. Elle s'est acheté un château. C'est vrai qu'on est bien Bernard Chirac. Je vais nominer Tigra pour la vanne sur Bernard Chirac. Maintenant qu'il a je cherchais une ressemblance. C'est vrai que c'est pas faux. C'est la même mise en pli. La permanente indestructible. Ah. Encore me prendre un coup de fourche. Oh merde. Oh non, non, non. Oh, puis eux, ils ont des boucliers, autant dire que... Peut-être en tirant dans les pattes. Ah, si, ça a marché. Ok, ok. Voilà. Attention toi-même, Coco, parce que je te connais. Ah, putain. Un coup de fourche. C'est coup de fourche à Notting Hill. Ah! Changer, Julia Roberts. Oh merde! Oh! Allez, relève-toi, cocotte, relève-toi. On a encore du travail. Je pense que si je la relève pas à temps, elle. Elle meurt donc. Attention, baisse-toi, voilà. Parfait. Parfait! Eh ben, ils ont récolté pas mal d'aumônes, hein, ces petits moines, là, mine de rien, là. Quand je vois tout le pognon. Les pesetas qu'ils avaient sur eux. Ça marche, le denier du culte, là. Ah, ce petit coffre me fait envie, mais... Je sais pas comment on ouvre ce passage. C'est vraiment magnifique. Et puis ces petits effets de brume et tout, ça marche vraiment bien. Évidemment. Évidemment. Il faudrait qu'on passe de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah voilà, tu vas aller m'ouvrir. Idéon et Niet. Et qui se fait bolos? Est-ce qu'il se fait bolognien? Je compte sur très toi. Très bonne question d'Eternal Sum. Allez, ouvre-moi, cocotte. Je vais faire le tour. Voilà. Okay. Je t'en dois une. Oh. Parce que ça même, hein, depuis le début. Mais avant d'aller, avant de péter tous ces vases, on va voir si quand même on peut pas monter en haut des marches. Là, il y avait quand même un grand escalier que j'ai pas pris. Je dis que là, c'était un truc annexe, mais... Il y a un truc à faire sur ce grand escalier. On va vérifier. Par acquis de conscience. Voilà, c'est fermé. Ok, très bien. Alors, il y a un chemin là et il y a un chemin là-bas. Allons voir là d'abord. Ah bah voilà le petit coffre. Alors chérie, j'ai peut-être une bague pour toi. Un flacon de parfum. Chic, très bien. Brise d'anus de cacarelle. Ça te ferait plaisir? Tiens, je te l'offre. Ah mais arrête de t'accroupir à chaque fois que je m'accroupis. Oh là là, on peut rien lui offrir. Elle ne comprend rien. Merci pour le nouveau follow, Azelus. C'est gentil. Merci à tous ceux qui nous rejoignent en cours de route, hein, les amis. Je suis toujours content d'avoir des nouveaux petits amis, moi. Ça fait encore plus de potentiel de vanne tout au long de la soirée. Et au Blob, bienvenue aussi. Et des vannes, on en a. On en a. C'est beau. Est-ce que ça passe, ça?
Faut que je pète le truc peut-être avec mon petit couteau. Faut carrément avec un... Ouais, avec ça, ça passe mieux. Finalement. Ah, des cartouches de fusil à pompe. Bah ça valait le coup. J'en ai gaspillé une pour en récupérer trois. Un bon ratio, ça va. On doit sans doute pouvoir continuer par là. Sois prudent. Ah, il y a une petite lampe. Qu'est-ce que c'est que ça ici? T'es vivant, toi? Le pauvre. C'est pas une belle mort. Non, mais en même temps, elle a une sale tête. Donc, c'est bien qu'on juge pas au faciès, mais ça serait pas étonnant qu'il nous tombe dessus à un moment ou à un autre. Ah, je peux pas lui tirer dessus. J'avais envie de prendre les devants quand même. Ah, parce qu'en plus, elle a été torturée. J'ai de nouveau été réveillée au beau milieu de la nuit par des bruits effroyables provenant du sous-sol. Des bruits de griffes contre les murs. Eh bah. Pas rassurant. Et là, c'est quoi ces bouboules? Ils prennent tout. Ah non, c'est des menottes. Ashley? Ça te dit ou pas? Éloigne-toi. Avec moi. Non, voilà. Ok. C'est pas trop mon truc, en fait. Ah, voilà, de l'herbe. Rouge. Plus mon truc. Et là, qu'est-ce que c'est? Des munitions. Encore un autre gars ou une statue? Statue. Il y a quand même un truc qui fait du bruit. Qui est inquiétant. C'était quoi? Il y a des animaux ici? C'était mon estomac, j'ai faim. Oh, pas que ce soit un animal. Quoi qui grogne? On a marre de grogner, mais bon. Pas me sauter dessus, dit. La clé des cachots. Très bien. A muerto la luz. La mort, c'est la luz. J'ai fait espagnol première langue, donc faites-moi confiance. Qui a fait espagnol première langue pour nous traduire a muerte la luz? C'est chaleureux comme cas. Oui, on a envie d'y mettre du vin, c'est sûr. C'est Chirac qui grogne enfermé dans son cachot. Balkany plutôt. Mi gusta peu. La luz égale la lumière. La lumière amoureuse. La lumière tue. Ah, peut-être si j'ai des grenades aveuglantes, ça va m'aider. Ça, c'est ça le... les conseils, en fait. Ah, oh putain, j'ai peur. Ah, ils m'ont eu, là. Ils m'ont eu, je l'ai pas vu venir, celui-là. Ah, bien joué, bien joué. Enfin, c'est au jeu, même. 20 ans après, il me fait toujours aussi flipper. Oh. Les balles lecteurs. Oh. Bon, il a l'air attaché. Mais pour combien de temps? Il n'aime pas la lumière, visiblement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a une issue? Pas l'impression. Je vais vite me barrer parce qu'à mon avis, il va pas tarder à se détacher, peut-être. Voilà, tiens. Bon, on va courir, hein. On va courir parce qu'à mon avis... Oh putain! Oh putain, qu'est-ce que je vais me fourrer là-dedans, moi? Ok, allez, on y va au fusil à pompe. Ok, il s'en fout. Mais j'ai de la grenade aveuglante. Et grâce à nos connaissances en espagnol, nous savons que... la lumière, c'est la luz. Ah, c'est pas mal le son qui est... est estompé quand il y a la grenade aveuglante. Ça a vraiment aveuglé, genre définitivement, quoi. Allez, un petit pruneau dans le cul pour la route. Je savais que ça ferait plaisir. Ah, du béryl rouge, je ne sais pas ce que c'est. Le béryl jaune, je sais ce que c'est, mais le béryl rouge, je ne sais pas. Hop. Un petit vase pour la route.
Non, ça s'est bien passé finalement. Attendez, à pire. Et du coup, j'aimerais bien rebasculer en mode normal parce qu'à mon avis, il m'en aurait fait baver lui en mode normal. Tu sadomaso là. Il a pris du plomb dans l'aile, pas que dans l'aile. Le béryl jaune, ça marche aussi. Le pruno, d'habitude, ça ressort, ça rentre pas par. On va nominer Eurexis pour sa voiture des prunos, mon dada, s'il te plaît. En facile, c'est sûr, c'est triché. Bah oui, oui, mais. Alors, est-ce que j'ai le droit de revenir? Et c'est vrai qu'ils avaient l'air de dire que c'était définitif. Mais ils ont peut-être menti. Et là, il y avait écrit quelque chose. Non, c'est juste son sang, en fait. Et c'est moi qui l'ai mis sur les murs. Et là, c'est les squelettes des gens qui étaient là avant moi. Ah bien. Alors. Ah merci. Merci, Hirto. C'est gentil. Ça m'a fait sursauter, mais c'est gentil. C'était peut-être le but en même temps, non? Ah bah, j'ai une grosse flippette, hein, vous avez vu? Tout bien sur moi. Les jumpscares, là, j'avais pas vu venir. Là, le fait de tomber au sous-sol, j'avais vraiment pas vu venir. Alors, est-ce que je peux... Moi, je viens de là, en fait. Je viens de là, je viens du blues. J'essaie d'appeler Ashley, mais ça marche pas. Donc non, il va falloir trouver une issue par moi-même. Il avait pas la... Bah, il avait pas la clé des cachots sur lui, là, justement. Repas, ça. Bah, je ne vois pas d'issue. Alors, j'ai pété un vase pour évacuer ma frustration. Pas rampé non plus par là. Ah, mais c'est un petit levier que je n'avais pas vu. Allons-y. Je crois qu'il y a une manivelle à côté. Allez, merci, Yoda. Je viens de le voir. Au télévis, vous restez comme vous êtes venu. Il n'y a que le décor qui change. Pas sûr qu'il y ait un gros succès au télévis avec ce genre de déco. En même temps, les fans de Resident Evil seraient ravis de voir. Est-ce que vous dormiriez dans un truc décoré en mode Resident Evil? C'est pas sûr. Moi, franchement, non. J'aime bien le délire, mais j'aime bien dormir aussi. Ah! Eh ben oui, évidemment. Avec ta... Tu es court vêtu et c'était normal que tu attrapes un rhume, ma Ashley. Eh bah oui. Rien. Bah voilà. Tu avais raison pour les animaux. Il me pique mes répliques. Ah, il est sympa. Il essaye de pas l'effrayer. C'est cool. Alors maintenant, on a la clé des cachots, normalement. Donc. Ah bah c'est là que je suis tombé. Je vais pas le refaire. Voyons voir. Cachot, c'est là. Où j'allais là? Ah bah donc faut descendre. Est-ce qu'on est au bon étage? On prend plus ces couloirs. Qu'est-ce que tu en penses, Ashley? Qu'est-ce que vous en pensez, les petits amis? Sur ta gauche, une fois descendu. Ah, donc faut descendre. Okay. Alors, Ashley, on va descendre. Mais je te rassure, ce ne sont que des animaux. Ah, ça, c'est une porte, ça? Non, j'en venais tout à l'heure et je voyais pas d'issue. Là, ça permet de remonter. Attendez, on va regarder. Ah, j'ai passé le. J'arrive pas à voir où le point d'intérêt est, à quel étage en fait. On sait pas trop.
visiblement là, donc dans la pièce d'avant. Mais c'est peut-être pas le bon étage, voilà. Ce serait là. Sauf que là, il n'y a rien. Donc ça veut dire que je suis pas au bon étage. Donc je vais remonter par l'échelle. Et on va repasser. C'était ça, l'animal. Oui. Je peux pas le garder. Ah bon? C'est dommage. Je le garde. Il fait des petites vannes, le Léon. Il est drôle, il est drôle. Ah, voilà. Voilà ce que j'avais pas pu faire tout à l'heure. Je l'ai foutu. Ah, comme je suis retourné chercher Ashley, j'ai pas forcément pris le bon chemin. Tout va bien? Ça va. Il est prévenant quand même, il est sympa. C'est vrai qu'elle les a pas vus, les animaux, elle. Parce qu'elle a raison. Attends, Ashley, il y avait un truc là sur le buffet. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Tu as une hanche en plastique, Ashley? Ça fait un drôle de bruit. Ah, de l'herbe. C'est très bien. Une munition de magnum, mais j'en ai pas. Mais j'aurais peut-être pu en acheter un. Hop. Fie-toi, elle a le Covid. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Alors, qu'est-ce que c'est que c'est? Et le Louvre, tout à coup. Péter un vase. Ou un bus. J'hésite. De Napoléon XII. Ah! Faut que j'appuie là, vraiment? Très bien. Je lui ai pris l'épée qu'il avait entre les jambes. Et je vais aller la mettre à lui. Et je vais mettre la belle épée à la place. Mais ça n'a rien fait. Là, il n'y a rien. Épée de fer. Alors, est-ce que je peux mettre l'épée de fer ici? Ou alors, est-ce que ce sera l'inverse? Il ne s'est rien passé. Alors, on va récupérer l'épée dorée. La mettre là à la place de l'épée de fer. Et du coup l'autre on la remet là. Ça va ouvrir cette porte, c'est sûr. Alors s'il y a une petite énigme, mais il y a un truc. Ashley, t'as une idée? Non, t'as pas d'idée. Ok. Eh bien, il y a sûrement un petit bout de papier, quelque chose, qui va nous indiquer ce qu'on doit faire. Alors, voyons. Et j'aime pas trop cette silhouette-là, au milieu du truc. Y'a rien dedans, là, c'est sûr. Tête du gars. Bernard Tapie, ça. Pas de Bernard Tapie, jeune. Enfin, vieux. Regarde les tableaux. Ah, j'ai vu qu'il y avait des SMS, mais j'ai pas lu. Mais j'ai entendu, les amis. Regardez les SMS. Alors, que nous disent ces tableaux? Personne n'a d'épée. Ici. Et il y en a encore une autre? En gros, j'ai trois épées. Voilà, là, j'ai pris les trois épées. Et je peux les mettre à différents endroits. Lui, le chevalier, là, il est un peu doré. Donc, j'ai envie de mettre l'épée dorée ici. Voilà.
Là, ici, lui, il est doré, mais il tape sur un mec qui est un peu en fer. Je vais mettre l'épée de fer. Et il me reste l'épée rouillée, genre la mort, c'est rouillé. Voilà, ça marche pas du tout. C'est des tableaux qui sont des paysans. En fonction de la personne qui tient l'épée. Oui, oui, je trouve que ce serait une bonne... Eh, mais il en manque une, en fait. Attendez. Il en manque une. Du coup. Lui n'a pas d'épée. Donc, ça veut dire qu'il y a une épée quelque part. J'ai pas trouvé. Et là, ici, on a un cerf, un serpent. Et un aigle. Ok. Et là, je peux faire sonner la soupe. Très bien. Je pense qu'il manque une épée. Est-ce que j'ai raté une épée quelque part? Regarde par terre, il manque l'épée de sol. Moi, je pense qu'il manque une épée, mais... Tu peux peut-être faire résonner ces gongs en tirant dessus. Oh, mais moi, j'aime pas trop tirer sur des trucs. Ah non, mais là, il y a un gong. Ah, mais attendez, il y a une épée derrière, ça se trouve. Voilà, ok. Et donc... Il y a un ordre, il y a un ordre. D'abord le cerf, ensuite le serpent, voilà, sûrement. Alors ça, c'est quoi? C'est le cerf, ça. Ensuite, l'aigle. Et là, le serpent. Ok, donc d'abord le cerf. On dirait bien qu'il est allumé. Ensuite, l'aigle et le serpent. Il n'y a peut-être même pas d'ordre, en fait. Ah. Et on finit avec ça. Ok, alors. Le cerf d'abord. Et il s'allume. Ensuite, je vais faire le serpent. C'est l'aigle, je suis con. Et je finis par le serpent. Et ça n'a pas marché. Parce que c'est peut-être pas un serpent. On dirait plus un hippocampe ou je sais pas quoi. Alors il est où le serpent? J'ai les deux premiers. Mais j'ai pas sauvé par le gong. Pas d'autre gong. Ah mais il y a une petite... chevillette. Ah, c'est quoi? Ah, mais le voilà, le serpent. Et l'aigle est là-haut. Ah, ça y est, j'ai tout le monde. Alors, bon, bah là, ça, ça a marché. Ensuite, l'aigle. Et le serpent. Voilà. Désolé, hein, c'est un peu laborieux, mais... J'ai encore un autre coup de sonnette à mettre. Et voilà l'épée. Ensanglantée. Ok. Et bien cocotte. C'est certainement pas à combattre. Mais c'est ça seulement va une réplique. Nous permettre de résoudre l'énigme à côté. Et donc la dernière épée est ensanglantée. Ok. Alors allons voir. Ensanglantée, ça va être l'épée qui tue quelqu'un. Je reprends mon épée de fer finalement. Et je vais mettre l'épée ensanglantée. Voilà, là ça a tué quelqu'un. Épée rouillée, moi ça me va. Ces reliefs, tu trouves pas qu'ils ont l'air de raconter? Épée dorée, c'est bien. Et donc il me reste l'épée de fer. Oh là là, qu'est-ce qu'on est fort les amis. Mi-ours, mi-hippocampe, mi-ours derrière. c'était ça. Ah, très bien, voilà, on va finir la soirée sur une petite énigme.
de derrière les fagots. Plutôt cool. On a commencé, en fait c'est tout l'inverse. On aurait dû commencer la soirée soft avec des petites énigmes comme ça tranquille à résoudre ensemble. On aurait fini avec le boss de fin de niveau qu'on s'est tapé au début. Et voilà, et ben non, on a fait tout l'inverse. C'est ça les streams de Tonton Marcus, pour ceux qui les découvrent. Ah, encore un bracelet, mais tu es couverte de bracelets, ma pauvre Ashley. Ah, et me revoilà. Voilà la sous-préfète. C'est la même pièce que tout à l'heure, non? Oui, sauf qu'on est en haut. Détourné en haut. Allez dans le... J'ai pas eu le temps de voir. Allez dans quelque chose. C'est fermé, il y a encore des petits symboles. Ok. Et donc pour ouvrir ça, il me faut un dragono et un serpent. Dragono, il est là. Voilà, il me manque le serpent. C'est un cerf. De côté. Un mi-ours derrière. Oh, joli, Léon. Surtout, essaye pas de faire ce que je fais. Moi ? Ça risque pas. Ah, voilà l'aigle. Oh, le serpent doit être de l'autre côté, là. Ça va pas ou quoi ? Sauter sur des chandeliers. C'est quoi cette idée ? Ah, j'aime bien. Tu te prends pour ma mère ? T'as jamais joué à Assassin's Creed, cocotte. Alors là, ça va être le serpent, normalement. Voilà. Ou double... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah merde. Ah si, c'était ça. Bon. Ça va, ils sont pas trop regardants. Voilà, je peux faire un petit sermon d'en haut. Et écoutez, je profite de ma position pour décerner le prix du meilleur, de la meilleure vanne et du meilleur pseudo. Comme ça, ce sera fait. Puis après, on va voir ce qui se passe dans le jeu. Je rebascule sur ma petite caméra préférée. J'en profite. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur le boogie boogie du gagnant du meilleur pseudo. Voilà que l'ami Dindin m'a envoyé. Les pseudos rigolos du jour, nous avions le monde entier est un Marcus. Très très bien. 3615 PBS, je sais toujours pas ce que c'est PBS, mais le 3615 me faisait marrer. Jennifer l'obèse, ça c'est du génie. Nominé, qui a déjà été nominé la semaine dernière et qui est renominé cette année, c'est normal, il finira par l'avoir. La rondache peureuse, on sait maintenant que la rondache est un bouclier peureux, j'aime bien le concept. Et Brakmar le dur. Évidemment, un vrai nom de viking qui va à la facilité puisque c'est facile de me faire rire avec, avec des gros mots. Mais j'avoue, c'est Jennifer l'obèse hein, qui m'a le plus fait rire ce soir. Donc Jennifer, que tu sois un garçon ou une fille, j'imagine une fille quand même, voilà, que tu sois obèse ou non, on s'en fout, ça ne regarde que toi. Tu gagnes le petit bracelet, qu'est-ce que je dis, le petit gobelet Team Game One. C'est la tête de Julien, je sais pas si on l'a. Ouais bien, c'est un peu flou. La caméra a du mal à faire le point. Ça, c'est pour toi, et accompagné bien sûr du petit porte-clés en forme de tongue. Enfin, en tout cas, en texture de tongue. Voilà, ça c'est pour le meilleur pseudo. Et pour la meilleure vanne, les amis, il y aura cette horde de petits zombies tout droit sortis de Call of Duty. On verra après hein, pour le nombre de morts. Et les vannes, les meilleures vannes de la soirée, c'est Ashley qui les corrompt. On parle bien sûr de Pierre Bachelet. Ashley la frichère. C'est Ashley to L. C'est décès. Ah, putain, mais j'avais même pas vu le début de la vanne. C'est Ashley décès en concert. C'est Ashley to L. Oh, bravo, franchement. Bravo. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. C'était tellement bien amené. C'était le bon moment. C'était parfait. Quel pince Mendes, souvenez-vous, quand il était transformé en scorpion. C'était pas fou. Mais le homard l'a tué, non?
Ah, je l'avais pas vu passer celle-là. Très bien, mon dindin. Parfois, dindin chope des vannes que j'ai pas vu passer dans le feu de l'action, évidemment. Mais surtout là, c'était pas le moment. Mais elle est très bien, c'est très bien. Eve, lève-toi, tes enfants ont grandi quand ils essaient de relever. Quand ils essaient de relever Ashley, c'était parfait. Elle s'est fait enlever en moins de 2. Ah, ça, c'était fort aussi. C'était vraiment fort. Ah putain, vraiment, bravo. Bernadette Chirac s'est fait plaisir avec les pièces. C'est vrai qu'elle ressemble à Bernadette Chirac, la petite mémé, là. Et le pruneau, d'habitude, ça ressort par... Ça ressort, ça rentre pas par... Oh, franchement, c'était top. Alors, très compliqué. Oh la vache, ça va être dur de... Ça va être dur de départager. J'en vois deux qui me font beaucoup rire. Quel pain ce Mendes au moment où... Au moment où je me suis fait tuer par le homard géant. C'était parfait. Le homard là-dessus, c'était vraiment très bien aussi. Oh la vache. Et elle s'est fait enlever en moins de 2, ça aussi, c'était fort. Je serais pour le homard. Le homard m'a tué ou elle s'est fait enlever en moins de 2 ? Écoutez, je trouve que ça se vaut. Et comme j'ai plusieurs petits personnages, eh ben, je vais couper le prix en 2. Je vais en donner 3 à l'un et 3 à l'autre. Et puis j'ajouterai un autre petit cadeau en plus. Pour équilibrer quand même. Voilà. C'est donc un demi-cadeau, donc j'équilibrerai avec un autre cadeau. Voilà. Alors les deux gagnants sont... mais le homard l'a tué, c'était une vanne de... Ah bah de Nominet, parfait. Nominet qui a été nominé pour le meilleur pseudo mais qui l'a pas eu. Mais qui va donc remporter la meilleure vanne. Et elle s'est fait enlever en moins de 2. C'était Ray du plombier, un habitué. Donc voilà, bah c'est parfait, c'est parfait. Voilà les amis, si ça vous va tous les deux, je propose ça, vous aurez chacun la moitié du truc. En plus, je peux vraiment couper le kit en deux sans que ce soit trop gênant. Vous aurez tous les deux des trucs sympas. Donc voilà, ça va être cool, et puis je rajouterai encore un petit truc, un jeu, ou je sais pas, je trouverai. Voilà, bon bah c'est cool, on a nos gagnants. Je rebascule vite fait sur le jeu, on finisse peut-être sur un peu d'action, parce que là pour le moment, c'est un petit peu trop calme, comme on dit. Là on m'a conseillé de revenir au milieu, peut-être encore flinguer un ou deux gars. Avant de se dire au revoir ce soir, même si on en aura fait des choses. On aura surtout fait le premier le premier boss de fin de niveau qui était quand même gratiné. Il a fallu que je repasse en mode facile. Ouais, je pense que j'aurais pu l'avoir en mode normal. Mais ça aurait peut-être pris encore un ou deux essais. Et franchement, c'était dommage. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Une harpe. Un petit truc. Peut-être un orgue de barbarie. Il faudrait que je trouve une partition. Et me voilà revenu. Point de départ. Ça s'ouvre pas, mais est-ce que Ashley, t'aurais pas une idée pour faire le tour? Ah, ça passe par en haut, apparemment. Ah, faudrait que je remonte. Faudrait que je remonte tout là-haut pour... voilà, mais ça, je pense que c'est juste un bonus. On n'est pas obligé de passer par là. Ah, petite machine à écrire, bah, je vais faire ma petite sauvegarde. Voilà. Si jamais il y avait un autre épisode la semaine prochaine, on ne sait pas. Alors, peut-être s'arrêter là, je vais continuer. Je vais continuer moi-même, mais on va peut-être passer à autre chose quand même au bout d'un moment. Mais je kiffe tellement ce jeu. Ah bah je peux monter. Si je peux monter, faire tout le tour et redescendre par l'autre trou après tout. Là, je refais le coup du chandelier qui m'a rendu célèbre. Voilà. Ah, je vais la gâter, ma Ashley. Un sablier. Ah, voilà. Ça va décompter le temps qu'on va rester ensemble, ma chérie. Parce que quand même... Alors, bah ouvre. Voilà. Parfait. Et donc ça se trouve ça a ouvert cette porte maintenant. Je pense que c'est là que ça se passait. Pas. Il m'a dit retourner, je sais pas où, mais j'ai pas suivi. Mais en fait j'ai qu'à regarder la carte. Je suis con. Gigantesque ce château. Alors faut que je retourne là.
objectif intermédiaire. Oui, mais donc faudrait que j'ouvre cette porte. Mais comment faire? Il y a peut-être un levier au-dessus que j'ai raté. Je vais voir. Salut Rachidou. Trop longtemps que je t'ai pas vu, ça date de l'époque de Game One quand tu faisais des tests de jeux vidéo. Le bon vieux temps, exactement. Écoute, je suis toujours là, toujours sur Game One, hein, si tu veux passer un mercredi. On est là tous les mercredis. Je fais des level 1 en live. J'en enregistre 3 le matin et il y en a un en live le soir à 17h30. Je m'amuse. Donc, vraiment, t'es le bienvenu. Avec plaisir. Est-ce que là, il n'y aura pas moyen d'ouvrir? Non. Je remonte. Mais le périple était long. C'est Versailles ici, en fait, Dick. Tout à fait. Ah voilà, est-ce que je suis seulement passé par ce petit recoin? Bien plus. Mais oui, bien sûr. Par là qu'on monte. Ah, le truc de torture là. Je pense qu'il doit y avoir moyen d'ouvrir la porte. Là-haut. C'est peut-être un tour pour rien, mais ça vaut le coup d'être vérifié quand même. Est-ce qu'à un moment en haut, il n'y avait pas un levier que j'ai raté, genre là. Là, dans mon dos, quoi. Voilà! Ah, y a carrément, elle est en double cette église! En fort, les gars. Ils avaient du pognon, visiblement. Ils sont devenus quoi, Tommy et Julie de Game One? Julie, je sais pas, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Tommy travaillait à Ubisoft jusqu'à pas très longtemps, mais il y a eu un pseudo-scandale chez Ubisoft. À mon avis, honnêtement, grandement exagéré connaissant Tommy, mais voilà. Il s'est fait virer sur des accusations de genre harcèlement moral, machin. J'ai du mal à y croire. Vraiment, j'ai du mal à y croire, mais... voilà. Dans ce genre de truc, vous savez, c'est beaucoup de on-dit de trucs, les gens se font virer, mais il n'y a jamais de procès, il n'y a jamais de preuve. Donc, en gros, il a été viré sur ordre du tribunal du net, quoi. Sans vraiment de preuves, juste parce que, voilà. Il aime bien faire des vannes reloues, Tommy, on le connaît pour ça. C'est quelqu'un que ça a choqué un moment, je sais pas. J'ai pas suivi les détails du truc. Mais le peu que j'ai vu, ça me paraissait grandement exagéré, comme malheureusement ça se fait un peu trop souvent en ce moment. Il y a des justes causes qu'il faut défendre, bien sûr, mais c'est toujours dommage de taper à côté, quoi. Des gens qui le méritent vraiment, et d'autres qui ne le méritent pas toujours, et pas toujours les bons qui prennent, je dirais. C'est des bains de sang, ça, on est d'accord? Vache! Ouh! Du coup, je sais pas ce qui devient après Ubisoft, pour répondre à ta question. Ah! Encore une bobinette, un truc à mettre là. Léo, ils sont là! Ils sont où? Ils sont où? Oh vache! Bah là, ça se fait fusil à pompe, ça. Hein. Mais il faut le recharger d'abord. Bon bah j'y vais cash, hein. Je pose pas trop de questions. Je profite, je savoure mon mode facile. Hein. Ah oui, c'est vraiment pas la même qu'à l'époque. Ah, il y en a un qui... Ah mais il te manque la moitié de la tête toi déjà. Il y en a un autre là-haut qui m'emmerde là. Avec son arbalète. Il se cache. Ah, ils m'ont enlevé Mashley. Il vient de me mettre un petit coup dans la tête, j'ai pas apprécié. Elle est où, Ashley? Elle est là. Un petit pruneau dans le cul, ce sera le thème de la soirée. Voilà. Il y en a d'autres. Oh merde, alors lui il est là. Merde. Ah, j'ai plus de. Ah oui, quand on a plus de. Et puis ça pompe, c'est tout de suite moins drôle.
Je suis obligé de faire des trous. Oh, dans son bouclier. Je peux pas le faire en plutôt. Voilà. Oh, il est pas bien, Léon. Il est pas bien, Léon. Peut-être mourir une dernière fois. Je sais pas ce que vous aviez voté, mais c'est possible que... C'est possible que ça finisse mal encore. On n'est pas totalement au bout de notre peine. J'ai pas encore... J'ai pas encore verrouillé le nombre de morts. Ouah, j'étais beaucoup trop près. Allez, m'emmène ma Ashley encore. Et toi? Attends, je recharge. Et j'arrive, voilà. Et un petit mawashigiri, il y a longtemps que j'en ai pas fait. Ça va, Ashley? Avec moi. Ne crie pas. Ne crie pas. Munitions de fusée à pompe. J'ai plus. Est-ce qu'il n'y en aurait pas dans ce vase? Ce serait très... Faut que je meure encore une fois pour Prisoudux. Moi, j'aime bien vous faire plaisir, mais... Ça va faire plaisir à toi, mais il y a quelqu'un qui va se faire peut-être voler une victoire, alors... Écoute, on va laisser la nature faire, hein, je... Ah, j'ai pas ce qu'il faut pour mes munitions de fusée à pompe, c'est dommage. Alors, on va repasser en mode... Gun, tout simplement. Je fais le tour parce qu'il y a peut-être des trucs à récupérer. J'entends des flèches qui volent. Pas trop près. Ça marche. Alors, il y avait du monde au balcon tout à l'heure, je peux pas monter là. Ah non, c'est quoi ces marches cheloues? C'est des marches pour les gens qui ont des grandes jambes. Moi j'ai des gros doigts, ça marche pas. Si je fais le tour par là. Ouh. Je vais pas descendre, je vais d'abord m'occuper des gars qui sont en haut en fait. Qui, depuis tout à l'heure me balance leur petit carreau d'arbalète. Ils croient que je les ai pas vus. Voilà, toi tu m'énervais depuis tout à l'heure. Ça c'est fait. Et donc bah maintenant on va descendre. Il y en a sûrement un deuxième, mais bon. Ah lui, il a un petit masque de fer, c'est le masque de fer. Le masque de fer. J'aime bien l'idée d'y foutre le feu en fait. Oh, ils sont beaucoup. Oh merde, merde, merde. Ah, derrière moi. Écoutez, j'ai une mitraillette. Voilà, alors. Vous en faites ce que vous voudrez. J'aimerais bien vous voir cramer un peu quand même. Oh, toi, t'as une sale tête! T'as une gueule de porte-bonheur! Oh, j'ai plus. J'arrive à la fin de la batterie de ma manette! Ah, je vous ai jamais fait ce coup-là encore! Merde! J'ai plus. Des masses de munitions. Ah, j'ai pas eu le temps de défaire mon mawashigiri. Attention, Ashley, attention. Carreau d'arbalète, tant pis. Oh la vache. C'est bon, je l'ai eu. Je suis pas en forme, mais je l'ai eu. Ouais, ça va. Là, ça va être la manette, la vieille excuse de la manette, mais là, sauf que ça va être vrai en fait. C'est ça qui est dingue. Ok. Les courses. Ah, un volant. Très bien, comme dans Mad Max. Soyez témoin. Je vais mettre le volant au-dessus de ma tête. Ça va être sympa. Alors, je suis pas en grande forme. Je vais me faire un petit... Voilà. Un petit peu d'herbe. Est-ce que j'ai de quoi me bricoler cette fois?
Munition de fusil à pompe. La réponse est oui. Même encore un peu, non? Pas exagéré, non. Voilà. Ok, du coup, je vais recharger mon fusil à pompe. Voilà. C'est les fous du vol. Alors, là, il y a... Bah, on peut essayer. Est-ce qu'il s'emboîte? On sait oui. Ah, voilà. Ça va me permettre de remonter. Et là-haut, j'ai vu qu'il y avait un deuxième... Il y avait un deuxième truc pour les volants. Donc, je vais y aller. Oh, mais j'entends que ça s'énerve. Ils ont dû en profiter. Ah, il y avait des tonneaux explosifs. J'en ai pas profité. J'aurais dû les amener vers le tonneau explosif, bien sûr. Je peux peut-être faire ça avec la vague d'après. Ça me ferait tellement plaisir. Oh, putain. Viens, Ashley. Ah, mais éloigne-toi vraiment, mais reste pas à côté du tonneau. Ok, le con. Bah, en même temps, j'ai tiré, mais... De rien. Éloigne-toi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'abrite derrière le tonneau explosif. Un génie, cette fille. T'es tout l'un tout l'autre. Soit je tombe amoureux. C'est vu ce qu'il dit, Han Solo. Formidable, cette fille. Soit je la démolis, soit je tombe amoureux. Je crois que c'est ça. Je crois que je la démolis. Incroyable, mais... Je veux savoir... Jamais fait gaffe à cette réplique. Quelqu'un peut vérifier vite fait? Soit je la démolis, soit je tombe amoureux. C'est vraiment ça, tu dis? Et en VO et en VF? Vraiment? J'ai envie de voir. Ah, là-haut, ça sent l'arbalète. J'arrive, messieurs de l'arbalète. Bon, petit fusil à pompe. Dans les ponts. Voilà. J'ai bien vu qu'il y en avait un autre sur la droite. Je vais aller m'en occuper tout de suite. Par contre, j'ai toute une balle de fusil à pompe. Je vais pas la gaspiller. Hop, 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 monsieur arbalète. Voilà. Pas encore mourir, hein. Tenez bon, ceux qui avaient voté pour 15 voix. Et pas tant de cette fille, soit je la démolis, soit je tombe amoureux, c'est tout l'un ou l'autre. Merci, Suicide. Mais vraiment, soit je la démolis, quoi. Ah, ça, 2023 en solo. Personne n'a jamais enlevé ça, en fait, c'est dingue. Je viens de me rendre compte. Petit qu'on l'aime, notre en solo, pour eux. Pour le laisser continuer à l'aimer malgré ça. Bord de réplique. Autant qu'il tire en premier sur le rideau, je veux bien. Mais qui parle de cogner une femme, c'est quand même... C'est pas tout à fait pareil. Donc Grido est peut-être une femelle, on sait pas en fait. C'est une espèce d'extraterrestre qu'on connaît pas trop, là. Les Rodiens. Est-ce que les mâles ont la même tête que les femelles? Ce qui nous prouve que Grido est un gars. On avait fait son procès, je sais pas si tu es là Mathieu. Mathieu m'a dit, mon ami qui est avocat et qui avait organisé le procès de Grido avec vraiment les témoins de l'accusation, de la défense, etc. Et moi je faisais en solo et voilà, et donc on faisait le procès pour savoir si j'avais tiré le premier ou pas. C'était vraiment drôle. Ça doit se pouvoir se trouver sur YouTube, tu me diras Mathieu si tu es là. Matt Marty, c'est joli comme pseudo. Villepaquin. Ah, j'aime bien ces insultes d'un autre âge. Alors maintenant que l'escalier... Ah, il est là, lui, voilà. Là, je te cherche depuis tout à l'heure. Il me tire dessus. Ah, il est encore là, il est encore là. Il n'a pas eu son compte. Suivant. Viens. Il est où le suivant, parce que...
Ah, c'est quelqu'un, ça? Non. Ah, il reste une flèche. Et là, je dis, il reste un cratère. Voilà, c'est là-haut. Voilà, je pense qu'ils nous embêteront plus, maintenant. Mais maintenant, faut trouver comment monter là-haut. Et on va s'arrêter là-dessus, les amis, je pense. Dès que j'aurai trouvé une petite échelle. Est-ce que j'ai rien monté là? Je sais pas par où. Ah bah j'ai mon volant là. Donc j'utilise le volant. Mais oui, ça sert le volant. Je vais t'occuper des derniers occupants. Tout à fait. Tout à fait. Oh, je le savais, je l'avais dit, mais... Juste que dans le feu de l'action, j'ai oublié. Allez, un coup de volant et on rentre à la maison, les amis. Il se fait tard avec tout ça. Demain, j'ai du boulot. Samedi, je pars à la Gamer Assembly avec un train à 7h du mat. Autant dire que j'ai intérêt. On n'est pas encore tiré comme un gardon. Je trace, on verra bien ce qui se passe. On n'a pas envie de se baigner, je suis d'accord, Léon. Je vais te faire le tour. Là. Munitions pour pistolet. Très bien. Est-ce que j'ai encore des munitions pour fusil? Ah, mais il y a encore un petit volant. On va peut-être plus récupérer le volant d'avant. Ah, c'est très bien de pratiquer ces volants. C'est long, mais c'est pratique. C'est un peu too much là, non, tu crois pas? Je peux bien serrer plus. Allez, Ashley, j'ai besoin de toi. Okay. Et Nominé qui s'en va, oui, mais t'as gagné quand même. oui, je suis désolé, j'ai tardé. Je vais y arriver. Je me suis rendu compte tard que je pouvais y aller en fait. Et du coup, on aurait pu l'annoncer avant. Je te couvre, c'est vite dit. Il y en a d'autres là. Au suivant, comme je disais tout à l'heure. Mais il me pique toutes mes répliques. Ok, passe de l'autre côté. Mais où ils sont, où ils sont, où les gus là? Mince, il y en a un là. Voilà. Ah, puis j'en ai sur moi aussi, merde. Mais non, c'était pas du tout une grenade que je voulais. Oh merde. Ouf. Oh, Ashley. Merde. Oh merde. Et la voilà, la mort de plus. Celle qu'on cherchait. Au revoir, Ashley. Oh merde. Et voilà, une mort de plus. Ça nous monte à 12. Alors, où est mon checkpoint? Est-ce qu'il faut refaire beaucoup? Quelle heure il est? Ça fait presque 3 heures de stream. Mais bon, on passe après. Hein. Vous voulez pas aller vous coucher, moi non plus. Hein. Hop. Je recommence. Peut-être mieux récupérer des munitions avant que les choses tournent mal. Ah, j'étais pas loin. C'est dommage. Alors, allons-y. Hop. Ashley est protégée par la méfia. Elle suit vite au Corléon. Au Corléon. C'est un peu too much là, non, tu crois pas? Allez. Merci Poudelkar, bienvenue à toi et tes petits amis. Ça va aller. On va aller se coucher dans pas longtemps, mais j'essaie de protéger Ashley autant que faire se peut, mais je me suis un peu trop occupé de moi en fait. Voilà.
Voilà. Voilà. Ah, j'avais été bien jusque là, mais... Ok, au suivant. Mais après, ils sont sur moi, donc... Oh, merci. Oh, joli coup de fusil, monsieur le comte. Voilà. Je fasse gaffe parce que j'en ai sur moi aussi là. Tiens bon, je vais t'aider. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce qu'il y en a autour de moi? Non. Alors vite, fusil à pompe. Voilà. Ça s'arrête jamais. Non, c'est vrai que ça s'arrête jamais. Il faut qu'on aille se coucher, je suis d'accord Léo. Merde. Là. Ok. Je t'avais entendu. Oh merde. Oh merde. Oh, ça a été violent. Tiens, bah ça aussi c'est violent. Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils en font? Oh non! Bah oui, mais j'y étais là! J'y étais là! Oh! Une mort de plus, mais c'est pas possible! Et bute-la, elle est insupportable avec son cri. Oh merde! Oh merde! Il faut tout se retaper encore. Allez, dernier essai. Et si ça marche pas là. J'abandonne, on ira se coucher quand même. Oh, elle est fragile hein, quand même. C'est une petite créature fragile. J'aurais dû sortir la mitraillette, j'aurais dû sortir les... J'ai les grenades, j'ai plein de trucs. Je suis trop... Je vais trop économiser mes balles en fait. C'est ça mon problème. C'est un peu too much là, non? Tu crois pas? Ok, ok. Là, franchement, j'ai tout ce qu'il faut. Allez! Par ici. Ok. J'ai tiré Ashley. Je sais pas si c'était pas mon intention du tout, mais. Ça va aller? Ouais, je vais y arriver. Allez, je remonte. Ouais, ils arrivent. Eux aussi, ils vont y arriver. Ils arrivent même beaucoup trop vite. Je te cours, à mon goût. Pas. Vraiment que j'efface en headshot sinon. Merde. Ça s'arrête jamais. Ça prend trop de temps. Ok. Prends pas de risque. Voilà, celui-là, ils sont pour moi. Pas que je perde de temps avec cela, parce qu'il faut que je m'occupe d'elle. Tiens bon, je vais t'aider. Oh, il y en a un autre derrière. Allez, mitraillette, tant pis. Ah merde, merde, en plein sur moi. Ça s'arrête jamais. Vite, vite. Voilà. Toi, t'es pour moi. Voilà, ça va quand même les calmer un petit peu. Merde, j'ai plus de balles là-dedans. Voilà. Pas vraiment mort. Fais semblant. Ok, reviens.
Voilà, dépêche-toi parce que je voudrais pas perdre. Ce serait dommage de finir la soirée là-dessus. Oh, c'est bien, Ashley. Du bon boulot. Ok, très bien. Ça va, merci. Ouf. Viens. Ok. Bravo, t'as bien bossé. Franchement, t'as bien bossé. Moi, je sais pas très bien protégé, mais. Ah là là, qu'est-ce qu'il est bien ce jeu, qu'est-ce qu'il est bien. Merci Macero, c'est gentil. C'est gentil, les encouragements. Voilà. Allez, je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte, on va le découvrir ensemble. Oh, un endroit romantique pour faire une demande en mariage. Et ben, c'est exactement ce dont je rêvais pour finir cette soirée. Il y a avoir un ou deux bracelets qui traînent. Voilà, on s'arrêtait là auprès de la petite fontaine. Alors, mon bracelet. Voilà, qu'est-ce que je vais lui offrir? J'ai un rubis. Pas mal, un rubis. Un flacon de parfum chic et un bracelet en or. Voilà, je vais lui offrir le bracelet en or. Est-ce que je peux sertir? Non, je peux pas. Est-ce que je... Non, je peux rien sortir, en fait. C'est dommage. J'aurais fait la vanne. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Je vais lui offrir le parfum ou le bracelet. Je sais pas. Ashley, veux-tu bien m'épouser après cette aventure auprès de cette petite fontaine? S'il te plaît. Ah, j'ai cru qu'elle allait passer. Elle, jusqu'au bout, elle n'aura pas compris que quand on se met à genoux devant elle, c'est pour l'épouser. Elle n'a pas besoin de se mettre à genoux, elle aussi. Eh ben, c'est pas grave. Eh ben, merci, Ashley, en tout cas. C'était une belle aventure et merci à vous les petits amis d'avoir suivi cet épisode absolument incroyable qui a commencé sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire, et qui se termine plus calmement et de manière assez romantique, donc c'est plutôt bien. Et je suis mort 13 fois ce soir, c'est donc le chiffre qu'il fallait trouver. Si vous avez joué au loto des morts et que vous avez trouvé le chiffre 13, je vais vous récompenser. Le dindin m'a envoyé voilà, le nombre de morts, le nombre de ventors pour le nombre de morts. Il y a deux personnes qui ont trouvé le nombre de morts. Il y a Fond du Caleçon Marron qui avait voté pour 13 et Rector X qui avait voté pour 13 aussi. Et heureusement parce que je m'aperçois qu'à 12, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnes. J'aurais pas pu récompenser tout le monde. Et à 14, j'avais 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Vraiment, c'est pas fait exprès. Je vous jure que j'ai pas vu le nombre de morts à chaque fois. Et puis vous avez vu, quand je le fais tuer, je le fais pas exprès. Mais voilà, donc c'est avec 13 morts. En plus, ça porte malheur. C'est fou quoi. Avec 13 morts, c'est donc Rhetorix et Fond du Caleçon Marron qui gagnent. Donc les amis, vous avez gagné. Je pense que vous êtes encore là. Ouais. Vous avez gagné soit, vous me direz ce que vous préférez, la bestiole du fond des mers, du fond du lac, le Mosasaurus. Qui gît maintenant au fond du lac de Resident Evil parce que je l'ai buté, ou un des chiens de Resident Evil, Idéfix. Voilà, j'ai les deux en double, donc vous pouvez tout à fait me demander ce que vous voulez, vous pourrez choisir. Voilà les amis, et ben ça y est, on arrive au bout de cette soirée, 3 heures de stream, mais bon, c'est tellement bien Resident Evil, on s'en lasse pas. Puis merci d'être aussi nombreux à la fin de ce stream. Au lieu d'aller vous coucher, vous êtes quand même bien, bien courageux de rester avec moi. C'est vraiment gentil. Puis, je me sens soutenu, donc ça fait vraiment du bien. On va regarder qui est en ligne, parce qu'on va aller voir les petits amis. On va voir qui stream à cette heure-là. La dernière fois, on est allé voir Benzaï, puisque lui aussi faisait du Resident Evil, donc ça valait le coup d'aller le voir. Bagheera Jones qui fait Last of Us Part 2, Xotrixie qui est sur Resident Evil 4. Ah, bah très bien, j'aime beaucoup... au Trixie. Hier soir, elle faisait un truc sur 90 miles et c'était très bien. On peut peut-être aller voir Exo Trixie, tiens. C'est pas mal. Les amis de Recallbox font du rétro gaming comme d'habitude. Bah, c'est comme vous voulez, les amis. Je regarde. Il y en a d'autres. Ah, j'ai entendu un sub. Je vais aller voir. Borenos, merci. C'est très gentil. C'est super gentil. Qui d'autre? Qui irait à Dr. Feelgood? Master Sneku? Est-ce que c'est un rapport avec notre Snakehead? Je ne sais pas. Écoutez, allez, on voit avec Exotrixie. J'aime beaucoup cette fille. Et elle fait d'habitude du let's play. Comment on appelle ça? Pas du let's play, c'est du jeu de rôle, en fait, dans GTA.
Et c'est comme ça que je l'ai connu. Et j'aime beaucoup ces streams. On va aller voir XO underscore Trixie, mon dindin, s'il te plaît. Après la fin de notre petit générique. Avec l'ami Tom. Voilà, je vais prendre le temps de vous dire au revoir quand même. Merci d'avoir été là, les amis. C'était cool de vous retrouver tous ensemble une fois de plus pour Resident Evil. Allez, promis, la semaine prochaine, on passe à autre chose quand même. Mais voilà, encore une bonne soirée. En même temps, pourquoi s'en priver, quoi. C'était cool. J'espère que ça vous a plu. Merci pour tous les abonnements. Il y a énormément d'abonnements ce soir. Beaucoup de follow, beaucoup de petits nouveaux. Beaucoup de nouveaux pseudos, des pseudos très drôles. Donc, n'hésitez pas à revenir si vous avez été nominé pour votre pseudo rigolo. C'est passé à côté cette fois, mais ça finira par tomber un jour ou l'autre, ça c'est sûr. Merci à tous. Merci, Makira. Merci, bien sûr, à Mandou Dindin d'avoir veillé sur nous. Merci à Vlacero qui veillait sur nous aussi ce soir. Timorsan qui a œuvré dans la coulisse pour que tout se passe vraiment bien. Bienvenue, Mercedes. Bienvenue chez nous. Et puis mon Snakehead qui met tout ça en ligne ensuite sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir, on a plein de bonnes vidéos. Et si vous avez raté une soirée, bah voilà, c'est l'occasion de faire une petite séance de rattrapage. Merci d'avoir été là, les amis. Merci mon Wikipédia. Merci Ré du Plombier et bravo une fois de plus. En pleine forme. Bonne nuit Kira, bonne nuit Thierry La Fraude. Bonne nuit à mon petit Sebmeister, Imakitna. Bonne nuit aussi. La caquette Red. Je m'étais fait avoir déjà la dernière fois. Je t'avais pas vu, je devrais renominer sinon, évidemment. Salut Ifezen, merci. Bah, c'est moi qui te remercie d'avoir été là, c'était cool. Nautisaf, bonne nuit. Mixelda, bonne nuit mon gars. Tritriton, bonne nuit. Evangelis, c'était là, je t'avais pas vu. Je te fais un bisou au passage. David Samarel, Marseille. Bonne soirée, Pixel 69, bonne soirée aussi, Lyon Fort, merci Minaro, ADA, bonne nuit, ah ben voilà, je découvre des pseudos au dernier moment, mais mieux vaut tard que jamais, The Gamer Show, un très bon pseudo aussi, bonne nuit mon Antoine, mon gamer digital, bonne nuit Gem la Saturne, bonne nuit à Solid Snake, bonne nuit à mon JR le zombie, le suppôt de sa tante, Reco, quasiment pas doué, bonne nuit Kiki Griever, j'aime bien ces nouveaux pseudos, c'est cool, le monde entier est un Marcus. Très beau pseudo aussi, nominé ce soir, mais tu n'as pas à gagner, mais ça viendra, c'est sûr. Jinta, bonne nuit, supposito. Oh putain, vous êtes en forme, les gars. On se voit en vrai samedi, si vous êtes là à Poitiers pour Gamer Assembly. Et on se voit la semaine prochaine à Beaumont-le-Roger avec les petits amis du Nemco Show tout le week-end cette fois. Là, je ne suis que samedi à la Gamer Assembly. Après, je vais chercher des œufs de Pâques avec mon fiston dimanche. Et le week-end prochain, par contre, ce sera tout le week-end. Donc, on va se voir en vrai, là. Les salons ont repris. Ça va être un plaisir de vous retrouver. Voilà, merci Nightbot qui balance la liste des salons dans lesquels vous pouvez me retrouver avec mes mignons. Notamment Dindin, Blacero qui m'accompagne souvent. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. C'est toujours un plaisir de vous voir en vrai. Puis, on adore mettre des visages sur vos pseudos rigolos. Je commence à en connaître pas mal à force. Et c'est vraiment toujours cool de découvrir qui se cache derrière ce pseudo. Et scoop, spoiler, c'est toujours des gens bien. Incroyable, incroyable. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir de nouveaux gens bien, de nouveaux petits amis. Je vous laisse les amis avec un autre ami, Tom Novembre, qui nous chante le petit générique de fin. Et ensuite, on va aller voir comment XO Trixie se sort de Resident Evil 4. Sûrement bien mieux que moi, j'en suis certain. Je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Mercredi chez Game One. Jeudi, ici même. Et puis d'ici là, et puis après, samedi. Ce samedi. À la Gamer Assembly et le samedi d'après, Beaumont-le-Roger, le même coach. Bisous, bonne nuit, dormez bien, ne faites pas de cauchemar après tout ça. Vous allez rêver du homard m'a tué là, qui m'a tué 12 fois, je crois. Il y a de quoi faire des cauchemars. Même moi, je crois que je vais me regarder Mandalorian après, avant d'aller me coucher pour me changer les idées. Allez, bonne nuit les amis, à la semaine prochaine, ciao. Salut les petits amis, salut, salut. Du 21e siècle, écoutez la saga d'un enfant de la manette, fan de Star et de War, de jeux et de cinéma, de comics, de Pixar et de pots Nutella. C'est un geek, c'est un rock, c'est une péninsule, collectionneur d'Ewok, remonteur de pendule, on l'appelle Monsieur Huss. L'intrépide au grand cœur, mais son vrai nom c'est Marc, le poulet du gamer, c'est le Marcus, Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre deux balles de pita. C'est le Marcus, Marcus,
Level 1, souviens-toi, c'était bien, c'était lui, le pionnier des programmes pour players affranchis. Mais non, mais ça marche. Qui réinventait Doom au fond d'un corridor. Oh, mais non, mais là, j'ai pas avec mort, une là. Tête de clown et les moyens du bord de ta vieille Super NES au dernier Mario Kart. Il a fait tous les tests, essuyé tous les plâtres, il a tout chroniqué. C'est des records, et après tant d'années, on en demande encore. Avec Marcus, Marcus, The First and Last of Us, lui dont le buzz éclaire tous les zinzins des softwares. Marcus, Marcus, The First and Last of Us, notre ami pour la vie, comme dans Toy Story. L'Atari et on danse la Chewbacca entre deux parts de pizza. Yeah. C'est le Marcus, Marcus, the first and last of us. Ton ami pour la vie et le mien aussi. Marcus.